Donc bienvenue pour cette partie one shot de Loup-garou les déchus. Je vais commencer par présenter le jeu. Les loups-garous sont mi-humains, mi-esprit de loup. Il y a très longtemps, à une époque que certains appellent la Pangée, Père Loup faisait régner l'ordre et l'équilibre entre le monde physique et le monde des esprits. Conquise par son courage, Mère Lune tomba amoureuse de lui et prit forme humaine pour le séduire. Elle donna naissance à 9 enfants, les premiers-nés. De leur mère, ils reçurent la faculté de changer de forme et de leur père la force et l'instinct de chasseur. Le passage des siècles vit la naissance de plusieurs générations de loups-garous dans lesquelles le pouvoir de Père Loup se dilua. Une partie de sa meute réalisa qu'il était trop faible pour les guider et lui proposa son aide, mais il la refusa. Alors ses enfants assassinèrent Père Loup car il refusait de partager son fardeau avec le fruit de sa chair. Lorsqu'il reçut le coup mortel, son cri fut si puissant qu'il déchira le monde. Depuis lors, les îles, ce qu'on appelle le monde des esprits, s'est éloigné du monde physique. Les esprits en veulent aux loups-garous, car ils ont anéanti leur paradis et sont parvenus à tuer Père Loup alors qu'il n'était jamais arrivé. Mère Lune maudit ses propres enfants pour les punir de leurs crimes et les rendit vulnérables à l'argent, le métal le plus précieux à ses yeux. Au fil des siècles, elle allégea la malédiction de ceux de ses enfants qui reprirent la tâche de son bien-aimé. Les loups-garous sont les gardiens de l'équilibre entre le monde physique et le monde des esprits. Le monde des esprits, à quoi ça ressemble? Bah, il faut imaginer quand Frodon met l'anneau. C'est un peu la même chose avec les Nazgûl en moins. Voilà, c'est un peu cette idée, un peu un univers très sombre, avec très très peu de couleurs, et des créatures un peu violentes. Et donc, comment fonctionne le monde des esprits? En fait, le monde des esprits est une image à retardement du monde physique. Donc, si vous avez un bâtiment dans le monde physique, il mettra quelques temps à apparaître dans le monde des esprits. Pareil, si un bâtiment est détruit, bah, il mettra du temps aussi à être détruit dans le monde des esprits. S'il y a un renard qui traîne dans une forêt, il est possible que dans cette même forêt côté esprit, il y ait aussi un esprit renard. Donc tout a un pendant de l'autre côté dans le monde des esprits, à une exception près, les humains. Voilà, donc les humains n'ont pas d'esprit associé à eux. Les objets en ont, les animaux en ont, et les concepts en ont, et les émotions humaines en ont, mais pas les humains. Donc le côté cool d'être un loup-garou, c'est que bah, la première des choses, c'est que vous pouvez vous transformer. Donc vous avez 5 formes. Donc la forme humaine, celle que vous connaissez tous. Vous avez une forme humaine plus plus. Vous avez la forme gourou, qui est la forme la plus combattante. C'est une sorte d'Hulk avec des poils, hein. Vous ne pouvez pas la tenir longtemps et elle est très dangereuse. Vous ne pouvez faire que 2 choses dans cette forme-là. Courir vers un ennemi, taper sur un ennemi. Si vous essayez de faire autre chose, c'est un jet, vous avez un malus à ce jet-là. Et si vous échouez, vous devenez fou et tapez sur n'importe qui, y compris vos alliés. Voilà. Ensuite, vous avez la forme loup plus plus, donc c'est un gros gros loup. C'est la forme guerrière classique, celle-là vous pouvez la tenir autant que vous voulez. Elle est un tout petit peu moins forte que la version gourou, mais elle est beaucoup plus safe à prendre. Et après, vous avez la forme de loup classique qu'on trouve dans les forêts. Donc les 2 formes les plus extrêmes, c'est-à-dire la forme humaine et la forme de loup, ne sont pas des formes surnaturelles. Donc vous ne provoquez pas de peur panique surnaturelle chez les humains qui sont témoins de vous dans ces formes-là. Évidemment, le changement, lui, provoque une peur surnaturelle, parce que vous voyez quelqu'un se transformer. Donc. Bah, c'est pas banal. Et les 3 formes du centre, donc la presque humaine, la gourou et la presque loup,
sont des formes surnaturelles qui provoquent la lubie, qui est une peur qui est censée vous protéger. Mais elle peut avoir des conséquences. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait faible d'esprit, quelqu'un qui a des tendances suicidaires ou un toxico, etc., pourrait, à votre vue, bah, décider de sauter, de paniquer, de s'ouvrir les veines, etc., etc. Là où un militaire de carrière qui a, voilà, qui a fait plusieurs tours en Irak ou je sais pas où et qui sait se battre et qui est un vrai vétéran, voilà, qui a pas d'état d'âme, etc., lui, il sera capable de peut-être résister et de même dégainer, voire se battre avec vous. Voilà, même tiré. Ensuite, les loups-garous sont organisés en meute de 3 à 9 individus. Et au centre, et les meutes protègent un territoire, et au centre de ce territoire, vous avez un locus, qui est une porte de passage entre le monde physique et le monde des esprits. C'est aussi une source d'essence. Donc, l'essence, c'est votre énergie magique, l'équivalent de votre mana. Voilà. Ensuite, bah, le truc ultra cool avec les loups-garous, c'est la régénération. Donc votre corps se répare plus vite que n'importe quel humain. Pour vous donner une ordre d'idée, vous prenez un coup de poing ou un coup de batte de baseball, ça va se guérir en quelques secondes. Vous prenez un coup de couteau, une balle, ça va se régler en quelques minutes. Par contre, la chose qui vous fait très très mal, c'est l'argent. Là, ça compte en semaine, hein. Voilà. Il existe donc 5 types de loups-garous qui sont définis par les 5 formes de la lune sous laquelle vous pouvez vous transformer. Donc, les loups-garous qui se transforment pour la première fois sous la nouvelle lune, donc la lune noire, sont ce qu'on appelle des Iraka dans le jeu, et ce sont en fait les fourbes, les espions, les scouts. Les gens qui backstab, etc. Ensuite, vous avez le croissant de lune. Lui, c'est les Itahurs, donc c'est les. Comment on dit ça? Les chamans. Les chamans, les druides, ceux qui cherchent les secrets avec des rituels, etc. Après, vous avez la demi-lune, c'est les Lodotes. Donc, lui, c'est le juge, ce qu'on appelle. Le juge, donc sa fonction à lui, c'est de prendre de réfléchir, de prendre un peu de recul par rapport à une situation et de trancher, de prendre une décision, soit de pencher côté monde physique, soit pencher souvent côté esprit. Pour vous donner un exemple, si un criminel commet un crime dans une rue, il assassine quelqu'un, cette rue va attirer des côté monde des esprits de meurtre, de violence, de crime, etc., de peur, tout ça, tout ça. La présence de ces esprits dans cette rue va faire en sorte que les humains qui vont rentrer dans cette rue vont se sentir apeurés, effrayés, etc. Et donc, ça peut pousser certains criminels à commettre d'autres crimes. Et là, du coup, ça se nourrit. Les crimes sont commis, ça nourrit les esprits qui nourrissent les humains qui passent dans cette rue, qui les effraient ou qui les motivent pour commettre d'autres actes irréparables. Et voilà. Et donc dans cette situation-là, les loups-garous ont deux possibilités. Soit ils vont dans le monde des esprits, tabassent les esprits et font en sorte que les esprits se tirent et s'éloignent. Voilà. Soit, autre possibilité, ils vont dans le monde physique, ils assurent la sécurité dans la rue pendant quelques temps et les esprits en fait qui sont là, iront ailleurs parce que ils n'auront plus leur nourriture en fait. Qui est l'essence teintée de cette peur, quoi. Voilà. Donc les Lodotes, c'est lui qui choisit quel est le meilleur côté, soit le meilleur côté en termes d'efficacité, pour soit le plus rapide, soit le plus sûr, parce que affronter en ligne droite, enfin en ligne directe plutôt, des esprits, ça peut être dangereux, surtout s'ils sont nombreux ou puissants, et ou puissants. Voilà. Donc
ça. Donc, ensuite, la lune gibbeuse, donc la lune à trois quarts, c'est le barde. Donc c'est le, on dirait, la personne qui est chargée de conter la légende du peuple pour essayer de trouver dans ces légendes des informations qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, le dernier, c'est la pleine lune, donc c'est l'Orahu, c'est le guerrier. Voilà, chacun de ces auspices, comme on l'appelle dans le jeu, fournissent un pouvoir. Donc le guerrier a ce qu'on appelle l'œil du guerrier, qui lui permet de savoir si une personne est plus forte ou moins forte que lui. La lune gibbeuse reçoit des visions, soit du passé, soit du futur, qui peuvent l'aider à survivre. L'Hélodote reçoit un bonus, donc la demi-lune reçoit un bonus pour dialoguer avec les esprits. Parce que comme il est sage, on a confiance en ses dires et en ses décisions. Voilà, on sait qu'il va pas essayer de nous la faire à l'envers. Le chaman reçoit un bonus pour acheter des rituels moins chers en termes d'XP. Voilà, et le dernier, la nouvelle lune, reçoit des bonus pour traquer des locus, donc des portes de passage entre les deux mondes. Voilà. Et ce soir, donc, nous avons trois personnages, Ludovic Klein, Ulf Sullivan et Claudia Strauss. Donc le premier est Itahur, donc chaman. La deuxième est Iraka. Et la dernière et Kaalit, donc barde. Voilà. En plus de cela, vous avez différentes des tribus qui sont en fait des groupes de philosophie au sein des loups-garous. Et donc c'est chaque individu peut choisir dans quelle tribu il appartient. Sachant que un loup-garou appartient à une meute, donc ça c'est ses amis proches. C'est les amis avec qui il se bat, c'est les personnes avec qui il passe énormément de temps. Alors que les tribus sont, on va dire, plutôt des groupes de pensée, des groupes de soutien qui peuvent, voilà, qui peuvent de temps en temps se réunir, mais qui sont au final plutôt, comment dire, ouais, c'est assez proche dans le mouvement de pensée, quoi. Voilà. Dans tous les cas, il y en a 5. Donc le premier, les chasseurs de ténèbres, eux ont une vision très territoriale, très rurale du territoire, quelque chose qu'on doit protéger. Vous avez ensuite les maîtres de fer qui sont, eux, ancrés dans la technologie humaine. Leur philosophie, c'est de suivre l'évolution technologique humaine, voire même de la faire évoluer, ou au moins de l'adapter ou de la diriger un petit peu, afin de ne pas se faire dépasser. Vous avez les seigneurs des tempêtes qui sont les leaders, voilà, ceux qui prônent le bon exemple, quoi. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez les griffes de sang qui sont les guerriers, les stratèges. Et en dernier, les os de l'ombre, les os de l'ombre, qui sont eux penchés sur les secrets du monde des esprits. Voilà, et donc ce soir, Sven, donc Ludovic et Os de l'Ombre, Rod Sullivan, donc Redhead Redemption et Chasseuse des Ténèbres, et Claudia Strauss et Maître de Fer. Voilà. Ensuite, les loups-garous ont des ennemis. Ça va pas être nouveau. Donc le premier, c'est les esprits. Faut bien comprendre que les loups-garous sont des espèces de flics entre le monde des esprits et le monde physique, et que donc les esprits on ne s'est pas trop aimé cette police là, quoi. Ensuite il y a les purs, donc les purs sont les loups-garous qui n'ont pas repris le rôle de père-loup, qui ne respectent pas cette idée de flic entre les deux mondes, et qui sont nostalgiques du passé et de la période où les deux mondes étaient liés. Ensuite, vous avez les humains qui sont pour l'instant ignorants de votre existence. Mais bon, s'ils le découvrent, ils auront probablement des intentions un petit peu hostiles.
Ensuite, vous êtes des donc les loups-garous, les déchus. Vous avez donc accepté de suivre le serment de la lune et donc de respecter quelques règles. Donc, je vais vous les énoncer. Les loups doivent chasser. Le peuple ne tue pas le peuple. Le faible honore le fort respecte le faible. Respecte ta proie. Le peuple doit vivre parmi les humains. Ne mange pas de chair humaine ou de loup, et le troupeau ne doit pas savoir. Voilà, c'est à libre d'interprétation. Voilà. Alors sinon, je vais faire vite fait une passe sur la fiche de perso. Vous avez des attributs, des compétences dans trois catégories différentes: mentale, physique et sociale. Et sur l'autre fiche, vous avez vos différents formes. Vous avez les caractéristiques qui changent en fonction des formes. Et en plus, un background avec vos pouvoirs. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est clair? En gros, je suis un peu le psychologue du groupe, quoi, si j'ai compris. Moi, j'aurais dit monsieur bibliothèque du groupe. C'est pour ça que la vision du geek que tu avais dans le forum n'était pas la mienne du tout par rapport à ce Ouais, perso-là. j'ai vu, ouais. Voilà. Du coup, donc, pour le scénario, vous êtes en Irlande, dans une jolie petite ville qui s'appelle Nondalk, qui est la ouais, c'est la deuxième plus grande ville d'Irlande, sachant que Dublin a un statut particulier qui fait qu'il est au-dessus d'une ville. Voilà. Et ainsi que peut-être. Donc bref, donc, la ville de Dundalk, je vais vous montrer à l'écran où cela se trouve, sur une carte, mais en gros c'est pile entre Dublin et Belfast. Hein? Voilà, où ça se trouve. Voilà. C'est très connu pour son DIC IT, le Dundalk Institute of Technology, dont vous êtes étudiant. On est tous étudiants dans la même fac ou on est étudiants dans différentes études? Non, c'est un établissement qui est assez grand et qui fait qui héberge. Ben, vous êtes tous les trois dans cet établissement-là. C'est un grand campus. Ok. Sauf que bah, vous vous êtes transformé en loup-garou il y a dans le mois qui vient d'arriver. Vous avez été récupéré par la meute des Pierres Blanches, qui est une grande meute du voisine de là où vous êtes, et qui du coup vous a recueilli, vous a appris bah, votre condition, et bah, en gros vous a mis ensemble parce que bah, vous êtes transformé dans un mouchoir de poche en termes de temps. Et en termes de géographie aussi. Et donc du coup, ça paraissait logique de vous rassembler et de faire de vous une meute. Sachant que vous êtes débutant, donc en fait, ils vous ont pas donné un territoire énorme. Vous avez que la ville de Dundalk pour l'instant, ce qui est relativement ridicule, hein, parce que voilà, c'est pas une très très grande ville. Eux, par contre, ont un territoire monstrueux, et qui est un petit peu trop grand pour eux. Et donc ils vous ont déjà parlé du fait qu'ils vont bah, quand vous serez prêt, ils seront prêts à vous léguer une partie de leur territoire. Et donc, est venu le moment de vous tester. Et donc, ils vous ont donné rendez-vous ce soir, à l'extérieur à la frontière entre vos deux territoires. Donc, vous êtes un petit peu en dehors de la ville. Il fait nuit. Nous sommes samedi soir. Et ils ne sont pas là. Et ça fait une demi-heure. Ils sont connus pour avoir fait ce genre de trucs ou pas du tout? Pas trop. Alors, vous les connaissez pas, vous les avez souvent vus en forme de loup-garou. Ils n'ont pas été très 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 bavards. Vous avez surtout rencontré le alpha de la meute.
Lui, voilà, lui, vous l'avez vu en forme humaine, etc., etc., pas de souci. Lui, il vous a parlé, les autres sont restés plutôt, plutôt discrets et plutôt invisibles. C'est une technique de base pour pas que vous sachiez le nombre qu'ils sont, au cas où, quoi. Ok. Voilà. Mais vous pouvez imaginer que c'est un peu un mouvement de résistance que les loups-garous font, sachant que les loups-garous ont évidemment des territoires. En général, c'est bah, chacun chez soi et tout va bien. Et puis, et quand il y a vraiment, vraiment la merde, on peut aller demander de l'aide à droite, à gauche. Mais c'est mal vu parce que c'est un peu avouer sa faiblesse, quoi. Donc, c'est pas toujours, toujours très bien vu dans les loups-garous voilà, de montrer sa faiblesse. Et donc, ouais, ils ne sont pas là depuis une petite demi-heure, quoi. Et puis, vous allez tous me faire un jet de astuce plus calme. Ouais, c'est ce qu'on appelle le jet de perception. Pour le coup, c'est un jet avec deux attributs. Donc c'est en haut de l'affiche. C'est ce que je me disais juste avant. Il y a quelques jets ouais, qui se font avec deux attributs. Ok. Donc Ludovic a fait un succès, un Sven. Claudia, deux succès. Elle n'est pas vue au-dessus. Hein. Ok, bah vous avez tous entendu, hein, pas de souci. Donc vous entendez un grand cri qui vient du cœur du territoire des Pierres Blanches. C'est un cri de douleur, clairement. Vous voyez, c'est un peu quand on marche sur la patte d'un chien, vous voyez, ce genre de bruit. Bah, c'est un peu la même chose, c'est très court. C'est chargé d'une douleur mais atroce. Et voilà, ça vous choque. Évidemment, les humains, c'est sur. Radio Loup-Garou, quoi. Hein. Ah, ok, c'est ça, je me posais comme question. Ok. Mais, autour de vous, il n'y en a pas, hein, d'humains. C'est la nuit, etc. Vous êtes en campagne, vous êtes dans un endroit isolé, où il n'y a pas d'humains. Mais vous savez que ce genre de truc, un humain n'entendrait pas. Ah, un endroit où on n'entendrait même pas crier. Est-ce qu'on a des armes sur nous? Vous pouvez vous transformer, avoir des griffes et une mâchoire. Ouais, mais je veux dire, pour la mascarade, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Non, mais doucement, les gars, pas de précipitation, c'est qu'un cri de douleur, ça va pas être bien grave. Oh non, quand même. C'est un gars marché sur un testant de bouteille, c'est un lieu qui craint par ici. Il y a sûrement un rat qui vient crever sous un meuble. Camarade, je pense que pour notre meute, il serait quand même bon ton d'aller voir, puisque c'est une tribu avec qui nous sommes liés et. Une meute, pardon. S'ils sont en difficulté ou qu'ils ont un souci, je pense qu'il serait sage pour nous, ainsi que pour eux, que nous puissions voir s'ils n'ont pas besoin de notre soutien. C'est aussi chez eux. Si on rentre, on va casser les dents. Enfin, moi, je suis comme ça, hein, personnellement. Ouais. Je te protégerai, mon cher Sven, Ludovic. Alors, vous pouvez vous appeler entre vous par vos noms de guerre. D'accord. C'est plus, c'est un plus fun et voilà. Donc Sven a été choisi par le premier joueur qui a joué Ludovic. Red Dead Redemption, c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai trouvé le jeu de mots mort de rire. Et voilà. Et du coup, pour Claudia, j'avais mis la Loubi, donc c'est une berceuse en anglais. Mais tu peux en changer si tu veux. J'avais un peu de mal à me rappeler du terme exact à chaque fois. Du coup. Ah, sinon, juste avant, on peut faire une description physique de vos personnages. Parce que je vous ai mis des photos, mais si vous voulez donner un style vestimentaire autre. Voilà. De circonstances, évidemment, hein, parce que vous me dites pas que vous êtes en robe de soirée, quoi. Ça va pas le faire, mais vous voulez faire un petit tour de description. On va commencer par Ludovic, là, donc Sven, cheveux longs, un peu ondulés. Ouais, il a une tête un peu genre de, comment dirais-je, de rocker, un peu métal sur les bords. Un t-shirt noir, le collier à chaîne, le fut noir, les bracelets en cuir noir. Bref, voilà. L'œil un peu évasif, je dirais, parce qu'il regarde pas autre part. Claudia, elle est habillée en noir, style un peu cuir, mais jolie, donc de grande qualité. Donc un pantalon moulant et serré, avec une veste qui remonte avec des grands... comment ça s'appelle ? Un grand col.
bien remontée, avec à l'arrière en queue de pie, qui m'est fendue en deux. Je sais pas si vous voyez. Non. Et puis voilà, une veste comme ça qui se ferme, qui laisse suggérer une magnifique poitrine de pardon. Donne son petit sur la photo. Bon, Et bah. j'ai un fusil à pompe, évidemment, caché entre mes seins. Non. Entre tes seins? Non, que dalle. Non, non, non. C'est ce qui s'appelle. Je considère que vous pouvez avoir l'équipement qu'un étudiant peut avoir, quoi. Un étudiant américain ou un étudiant irlandais? Irlandais. Un pubis. Bon, ben, j'ai une bière sans alcool. Non. Non, ben, j'ai rien du tout. Du coup, Red Dead Redemption, comment tu vois ton personnage physiquement? Et vestimentairement. Je la vois un peu comme un petit peu comme une habillée un peu noire, un peu comme une rebelle, un petit peu, hein, mais rien vraiment de très spécial, mais un peu darkos en fait, mais pas trop en fait. Elle joue un peu la rebelle en fait. Elle s'habille un peu en noir, un top noir, et puis un pantalon en cuir, des grosses. Des Doc Martens, c'est un petit peu tout ça. D'accord. Mais rien autrement de très bling bling en fait. Ok. Ok, ça me va. Ah, j'ai pas Donc, de ça va photo en pas fait. vers le punk. Ok, bah, pas de soucis. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Moi, je pense aller vers vers là où il y a eu le cri. Donc, j'y vais en mode aware. Dans l'idée, voilà, je vais par là-bas et j'essaye de convaincre mes camarades, si je vois qu'ils ne me suivent pas, en utilisant peut-être un de mes dons. On Ah, va voir. moi de toute façon, moi je vais avancer, hein. Je suis un petit peu une fonceuse, donc du coup je vais Alors. y aller. Bah, Je vais je pas suis, mais t'emboîter véritablement le pas, je vais largement t'attraper. moi je suis le tas, quoi, mais je fais montre de récalcitrance. Je leur sors les doigts loup-garou, mais on rentre sur un territoire ennemi là. Enfin, Tu me mets les non, ils doigts. nous ont invités, mais bon, Alors. quand même. T'as des mains dans les poches Redeb, et puis tu vas me jeter. t'avances. Redeb, tu vas me jeter un petit jet en astuce plus calme et tu vas ajouter 2 dés supplémentaires à ce jet-là. Ça? Toi, Redette, Redhead. Astuce plus calme plus 2D. Ouais. Donc ça te fait 7. Je t'affiche sous les yeux. Non, 6, 6 et 2, 8. Pardon, Oh je regardais putain. intelligence. Je regardais intelligence, pardon. Bon. Ok, 4 succès. Tu remarques que les protections magiques du territoire des pierres blanches sont affaiblies. En gros, enfin, une meute de loups-garous marque son territoire pour indiquer que c'est son territoire. Et du coup, quand vous rentrez quelque part, ben, vous sentez que c'est un territoire qui est tenu par une meute. Et donc vous êtes au courant. Et ça vous met mal à l'aise. Et c'est cette sensation de mal à l'aise, ben, vous l'avez, elle est encore un peu présente, mais elle est vraiment affaiblie par rapport Et par à ce rapport à qu'elle devrait être. l'habitude. Ouais. Ouais, D'accord, ouais. ouais, c'est le marquage du territoire en fait qui est beaucoup plus présent. C'est ça. Deuxièmement, le cri que vous avez entendu est très très loin. Il vient du cœur du territoire, hein, je vous l'ai dit. Donc si vous y allez à pied, vous allez mettre une journée et demie. Hein, Ah ouais, quand même, Ah non, mais je pensais j'avais me pas pensé mettre en que t'étais à loup. côté, oui. Et en loup? Non. En loup aussi, on mettra autant de temps? Non, bah non. Du coup, moi, je vais me transformer en loup. En loup Tiens, badass pour aller on plus va vite. se faire remarquer, ça craint. Ici, il se passe quelque chose Alors, de pas normal, il je sais fait plus y nuit. aller. Il fait On est en nuit. campagne. Et c'est l'Irlande, hein. C'est pas un pays très très peuplé. Voilà. Donc, effectivement, vous allez devoir faire à un moment ou deux des petits zigzags, etc., pour pas passer trop près des maisons. Mais c'est largement faisable. La question d'ailleurs à ce propos, les vêtements, on en fait quoi après? Alors, ils sont intégrés en fait avec vous quand vous vous transformez. Ah, ok. C'est pas envie de me retrouver à poil de l'autre côté, quoi. Ça évite de jouer à Hulk. Par contre, si vous voulez avoir un équipement avec vous et le garder, ben, faut enlever les vêtements. Parce qu'en fait, vous avez droit à un objet qui se transforme avec vous par point d'instinct primal. Vous avez un instinct primal, donc c'est un objet. On considère que les vêtements, ça fait un objet.
Cependant, les clés de bagnole, le portable, etc., c'est des objets en plus. Et du coup, le couteau que j'ai sur moi... Eh ouais. On n'a pas une voiture, on peut poser des affaires ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc tu veux dire que là, on est tous obligés... Oui, tu roules en Porsche. Donc, ah, je vais pas aller plus vite en Porsche, si je prenais ma Porsche pour y aller ? Oui, mais ça avait une route, oui. Et alors ? C'est pas un Monster Truck, ma Porsche ? Ah, oh, merde. Non. Alors, bah, du coup, on va laisser notre téléphone portable afin de prévenir la police au cas où s'il y avait un problème dans la voiture. Après, cependant, si vous avez un petit équipement, vous pouvez aussi le prendre dans la gueule une fois que vous vous êtes transformé. Ouais, c'est pas bête. Ça, c'est autorisé. Ça a plein de bave, mais c'est autorisé. Faut pas l'avaler, par contre. Hein ? Non, les malins, ils ont la pochette plastifiée avec le téléphone dedans. Voilà. Quand il pleut. Et, du coup, avoir deux ou trois en imprimable, ça permet d'avoir d'être peinard et d'avoir clé de bagnole, portable, machin truc avec. C'est très restrictif quand même. Non, mais c'est pour faire des petites situations cocasses. Ah oui, non, mais je comprends, ça veut dire simplement que les nanas qui se baladent avec un sac généralement ont l'avantage sur les mecs. Peut-être. D'accord, c'était très cliché. Dans tous les cas, vous pouvez mettre ce que vous, enfin, vos affaires, vous les laissez dans votre bagnole, il n'y a aucun souci. Tac tac. Alors pour se transformer, il faut faire un petit jet. Alors le jet pour se transformer, c'est vigueur plus survie plus instinct primal. Donc instinct primal, vous avez toujours 1. Hein. Donc voilà, vous savez. Qu'il faut faire quoi. Donc si vous voulez vous transformer pour aller plus vite, vous savez quel jeu vous devez faire. Et vous me dites dans quelle forme vous vous transformez. Alors, en fait, du coup, on n'est pas arrivé en bagnole, il y a des trucs comme ça en fait à l'endroit où on était avant. Alors à la frontière du territoire, le vôtre, si vous êtes votre voiture est pas très très loin. Ok, donc du coup, on peut aller chercher la bagnole. Oui, mais le problème c'est que les routes. Comment dire, elle mène pas forcément à l'endroit où vous voulez aller. Vous oui, avez une direction par le son et c'est compliqué de. Vous allez pouvoir vous approcher en bagnole, mais voilà, c'est moins spontané, moins. Vous avez moins la sensation de d'où venait le cri, quoi. Vous serez beaucoup plus précis et plus rapide en y allant à fond, en courant et en gardant, on va dire, la trace de la sensation du son, quoi. Oui, tout à fait. Sachant que vous trois, vous ne connaissez pas la région. Même toi, Redhead, tu es irlandaise, mais tu ne viens pas d'ici. Tu fais des études là, et donc ça fait quelques semaines que tu es arrivé. Et donc du coup, voilà, toi tu viens de l'autre côté de l'Irlande, quoi. Y a pas un cheval quelque part ? Non. Non, mais c'est bon, j'ai pris mon portable dans un sachet plastique. Il est en mode GPS, là. Je le pose par terre, et puis je regarde, et puis au point... Mince, il n'y a pas de raison. Donc, qui s'est transformé ? Tac tac, donc Claudia et Ludovic. Ok, vous avez fait 2 et 1, ça suffit. Du coup, Red Dead, tu fais quoi ? Est-ce que je peux aller sur le dos de l'un et de l'autre ? Alors, si t'arrives à les convaincre. Non. Ouais, non, je vais me transformer aussi. Bon, en double classique. Du coup, c'était quoi les gestes ? Vigueur, survie, instinct primal. Sachant qu'en instinct primal, tu as 1. Et que en tout, ça te fait 5 dés. Ouais, ça. Sachant que si tu échoues, tu peux réessayer. Hein, c'est pas un jet chiant. Ouais, j'ai fait 3. Ah, donc ça va, tu te transformes sans souci. Donc toi t'es en loup, les autres sont en Urshule, donc en loup un peu plus costaud. Moi j'ai pris le loup basique, moi j'ai pris. Hein. D'accord. Du coup, je vois un peu vos vitesses en fait, parce que. Si toi t'es en. Donc Red Dead à la 17. Le Ursule est plus rapide que le loup normal.
Bah le, oui, le Urshul, il est, c'est un loup plus plus quoi. C'est un loup musclé. Le loup classique, c'est le loup classique des forêts. Ouais. Ok. Bah en fait. Ok. En fait, Reled et Ludovic. Ludovic, tu vas être en galère. Tu vas retarder les autres. Est-ce que vous vous calez sur la vitesse de Ludovic? Ou est-ce que vous le pressez de. Est-ce que mes capacités peuvent le motiver? Ouais, tu vois, l'aider un petit peu. Alors, pour un sprint d'athlétisme, j'aurais dit oui. Là, vu que c'est du long terme. Ok. Voilà, ça c'est un petit peu trop. Même si je dis t'es voilà. Une mauviette comme t'es un petit loup de mauviette, etc. Ça. Bah, en fait, c'est juste que. Je l'aurais compté, tu vois, pour un combat, pour réussir un truc, un saut, un machin. Là, c'est vraiment okay. La vitesse où vous allez faire plusieurs heures, donc tu vas peut-être le booster 3 ou 3 minutes, mais après, il va reprendre son souffle et il va encore retarder, quoi. Voilà, ok. C'est... Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous ralentissez le pas pour laisser Ludovic rester avec vous, ou vous le... demander de changer de forme pour aller plus vite. Mais c'est quoi véritablement sa raison pour qu'il retient, c'est juste sa forme Ouais, non, c'est, en fait c'est juste que lui il est moins rapide que vous. Ok, d'accord. Dans la forme actuelle, il est en fait, vous avez, toi Reled, tu es à 17 en vitesse en loup, lui en loup il est à 14, et du coup, Claudia, elle est à 16 vu sa forme. Donc 16-17, ça va. Vous vous tenez. Par contre, voilà, Ludovic, qui lui est à 14, il se traîne, quoi. Ouais, mais ça va encore. Ouais, mais la question est-ce que vous ralentissez un tout petit peu le pas pour rester avec lui ? Pas. Ou vous lui demandez de passer à autre chose et d'aller plus vite. Vous me dites oui, non, et on passe à la suite, hein, y a pas de soucis. Hein. Non, moi je l'attends, hein, surtout. Ouais, moi je l'attends. Ouais. Donc, bah, vous cavalez pendant 2-3 heures, on va dire, au travers de l'Irlande profonde, croisez de nombreux vestiges celtiques, et même d'avant. Pour arriver dans une petite clairière qui est, vous le sentez, hein, c'est le centre du territoire des Pierres Blanches. Ça vous étonne d'être arrivé jusque-là, en fait, vous auriez dû être intercepté avant, parce qu'ils auraient dû sentir votre présence, et auraient dû intervenir pour au moins pour vous arrêter, etc. Quoi. Et ils l'ont pas fait. Donc je considère que vous vous êtes arrêté au niveau de la forêt, donc juste avant la clairière. Il y a un petit bosquet d'arbres quoi qui donne un petit petite couverture. Au centre de cette clairière, vous avez une mini colline, on va dire, un petit vallon quoi. Au sommet de ce petit vallon, vous avez un dolmen. Le dolmen est le locus du territoire des Pierres Blanches. Les gars ils sont fâchés, il n'y a personne. On va se faire défoncer. Là on est dans une zone où il fait assez noir. Ouais. Je demande à Sven s'il ressent pas autre chose au niveau des esprits, des choses comme ça. Qui pourrait nous aider. Alors, n'oubliez pas que vous avez des pouvoirs. Hein. Bah écoute, j'utilise mon pouvoir occulte de œil sur les deux mondes qui me permet de voir l'autre monde sans y aller. Voir si c'est un élément du monde physique qui serait présent dans le monde des esprits et vice versa. Tout à fait. Donc tu actives ton pouvoir. Est-ce qu'il y a un G, je pense hein. Ouais, astuce, occulte plus sagesse. Eh ben fais-moi ton G. Sachant, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir les deux fiches l'un à côté de l'autre. Hein. Les deux pages. Vous voulez pas vous embêter Ah ouais? Comment on fait? Vous faites clic droit.
détaché. Vous copier, donc copier le l'onglet. Ouais. Donc du coup, ça t'en fait un deuxième. Oh, et sur le deuxième, tu fais détacher. C'est vraiment excellent, Rollisteam. Et du coup, après, tu mets le premier onglet sur la première page, le deuxième onglet qui est détaché sur la deuxième page, et pouf pouf. Là, c'est génial. T'as tes deux. Ouais. T'as tes deux pages, quoi. Voilà. Excellent. Et c'est d'origine, ça, en plus. Hein. Excellent. Mais apparemment, je trouve pas la sagesse. C'est tout en bas, c'est dans les renommées. Ah merde, oui, c'était compliqué, c'est pour ça que j'avais pas vu, ok. Alors, la renommée, c'est votre réputation au niveau des esprits. Donc les esprits, vous la voient, elle est marquée sur votre corps, la réputation. Ce sont des tatouages, en fait, qui apparaissent sur votre corps quand vous êtes dans le monde des esprits. Ouais, en fait, on peut faire un zoom, en fait, sur les pages ou pas? Non, mais par contre, tu peux agrandir. Tu peux ouais, agrandir la page. Après, l'écran, après, il peut être pas assez grand. Oui. Ok, il n'y a pas de possibilité d'agrandir. Ouais, c'est pas grave. Ça peut être implémenté, mais je l'ai pas fait parce que j'avais trouvé que la page était relativement suffisante en elle-même, quoi. Après, moi, j'ai un grand écran, donc du coup, c'est vrai que ça me pose pas de problème, quoi. Mais oui, bien sûr. Je pense que ça pourrait être une fonctionnalité. Mais en fait, c'est une fonctionnalité à faire dans la fiche, donc c'est faisable. Hein. Oui. C'est juste que il y a d'autres fiches où je l'ai fait, où j'ai mis des curseurs pour pouvoir zoomer et agrandir. Mais de base, en fait, elle s'adapte à la taille de la fenêtre. Et donc il faut juste agrandir la fenêtre et ça agrandit le truc. Mais ouais, sinon, on peut le faire. On peut piloter le facteur de zoom par un bidule sur la page, quoi, au même titre que j'ai fait le bouton, quoi. Ouais. Qui permet de changer de page, quoi. C'est vraiment une fonctionnalité de la page à coder, quoi. C'est pas impossible, mais il faut le faire, quoi. Oui. Ok, alors apparemment j'ai fait 7 réussites. 5. 5, ouais. Oui, c'est très très bien réussi. Donc tu actives ton pouvoir, aucun problème. Donc vous voyez les autres que un de ses yeux se transforme en ciel étoilé. En fait, il devient tout sombre avec des points lumineux à l'intérieur. C'est très joli. Ça lui donne un petit effet, je sais pas, New Wave, un peu années 80. Très très sympa. Tu veux dire que la vie, en fait, dans l'œil, l'écran de veille, en fait, de Windows 95. Je sais pas. C'est des étoiles, en fait, qui avancent. Je verrai plus la bille qu'il y a dans Men in Black. Ok, ouais. Tant qu'il ne sort pas le smiley. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, tu arrives à voir de l'autre côté, donc tu vois le locus dans l'autre monde. Et dans l'autre monde, le locus, il est en train d'être drainé par pas mal d'esprits. Sont un peu en mode ouais, c'est la folie, ils sont plus là, quoi. Gavage, quoi. C'est le teuf à la maison, quoi. C'est un peu l'idée. C'est qui exactement qui est en train de pomper l'esprit? C'est des esprits. Des esprits, ouais. D'accord, et donc il faut leur péter la gueule, on est d'accord. Bon, enfin, il faut montrer qui est le Dawa ici. Ouais, mais oui, c'est parce que c'est pas chez vous. Monde des esprits. Un, il y en a beaucoup. Deux, en fait, tous les loups-garous font des petits deals avec les esprits de leur territoire pour les autoriser à se nourrir sur un locus, à condition que l'esprit les dépanne de temps en temps. Vous voyez ça un peu comme des informateurs, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu cette idée-là. Et donc vous faites des deals. Voilà, si vous avez un esprit, un hôpital sur votre territoire, vous faites un deal avec les esprits qui sont à l'hôpital et ils peuvent vous soigner plus rapidement. Etc. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir des esprits de chiens un peu combattants, qui peuvent être de précieux alliés en combat, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de dire, toi, t'as l'esprit, tu peux aller chercher un peu d'essence tous les mardis, et puis voilà. Et normalement, ça vous permet de choisir un peu les esprits qui sont sur votre territoire, et donc de choisir quelle population est sur votre territoire, et donc ça va colorer votre territoire de ce côté-là.
Et là, dans les esprits qui sont là, il y en a forcément qui étaient en deal avec, avec la meute. Sauf que bah, comme la meute, elle est pas là, bah, ils sont au plaisir. Voilà. Ok. Ils sont pas agressifs envers moi, ni enfin, envers nous, ou quoi que ce soit, ils nous ignorent, quoi. Ouais. Bon, par contre, si tu te mets à outrepasser en plein milieu du locus et à apparaître devant eux, va falloir négocier sec, hein, pour parce qu'il y en a beaucoup, voilà, il y en a certains qui sont un peu badass, quoi. Non, je sors de là et puis je fais part de ce que j'ai vu aux autres. Les gars, c'est que apparemment les loups sont plus là, le locus est en train de se faire pomper par des esprits. Vous pensez qu'on est assez de taille pour pouvoir sécuriser la zone ? Oh, écoute, si tu veux les attaquer, c'est toi qui vois, hein, je repasserai pour deux semaines. Mais t'as dit qu'ils attaquent bien ? Terminer d'ici là. Ils sont nombreux, très nombreux. Ouais, du coup... Allez, il y en a des gros, hein. Foncer dans le tas, c'est pas la solution. Obi, il y a un peu des animaux à droite à gauche. Ça, ou c'est possible de leur parler? Oui, enfin, il faut d'abord les trouver, mais c'est possible de leur parler. Parce que j'aimerais bien faire ça un petit peu, parce que étant donné que je peux parler aux animaux, ouais. Je peux faire en fait savoir en fait, faire leur poser la question. Fais-moi un jet de astuce plus survie, le jet de chasse classique. Ouais. Voilà, tu me fais un succès, tu vas trouver un animal ou deux, quoi, et puis et après tu pourras faire ton jet de discuter avec lui. D'accord, astuce survie. Voilà. Ah oui, ah bien. Ah bah là, c'est là j'ai trouvé le cerf. Hein. Bah t'as le choix, je vais te dire, t'as le choix entre le renard, le sanglier, l'écureuil. Ouais, ça me paraît pas mal. Le cerf, je suis pas sûr qu'il y en ait en Irlande, hein, mais voilà. Oui, j'en sais rien, moi c'était l'animal majestueux. Oui. Du coup, l'écureuil, le renard, ou bien le sanglier. Qu'est-ce qui est le mieux? Ah, je pense que le renard ça peut, mais bon, c'est pas forcément. Je vais choisir le renard parce que je suis une belle rousse et puis je pourrais lui faire. Lance-moi ton jet de discuter avec lui. Alors, ouais. Tu as droit à une question par succès que tu fais à ton jet. Ah ouais, donc, d'accord. Réfléchis bien à ta question. Ça va pas être quelque chose de général. Ouais. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Oui. Je vais lui poser la question, en fait, s'il sait où sont passés les livres, en fait, déjà. Oui. Bon, s'il les connaît déjà, parce qu'il en a déjà vu, et puis sûrement en même temps. Ben, c'est un peu des animaux dominants en fait, hein, les loups à ce moment-là, non? Ben, ça dépend quelle relation la meute a avec les animaux autour d'eux. Est-ce que dans cette zone, bon, c'est leur cœur de leur territoire, ok. Est-ce qu'ils sont souvent en forme de loup? Est-ce qu'ils sont très penchés sur le monde animal, rural, etc. Ou est-ce qu'ils sont très humains? Et ils viennent ici en bagnole, ils restent en forme humaine, ils discutent, ils font des cigares et puis ils se cassent, quoi. Les animaux ont plus tendance à se moquer. Bah peut-être. D'un regard d'un animal, il a vu peut-être des humains, peut-être des loups-garous, peut-être des loups, donc des prédateurs. Donc voilà, il s'est peut-être enfui, mais voilà. Okay, mais jette-moi ton jet de... On sait un petit peu s'ils ont tendance à être... À être plus des loups bien des humains, du coup, ou bien pas du tout? Non, très peu. Vous connaissez très peu de choses sur eux. Ils vous ont pas laissé connaître beaucoup okay, de choses. Ok, on sait franchement rien. Ouais, vous savez qu'ils sont badass. Ils ont été plutôt sympas avec vous, mais en mode paternaliste un petit peu, quoi. Mais sans plus, quoi. Ok, bon, ben, du coup, il va falloir... Après, c'est pas dit que
tout le monde dans la meute ait le même comportement aussi. Hein. Mmh. Ouais, c'est sûr. Par exemple, s'il y a des chasseurs des ténèbres parmi eux, il y a de fortes chances que les chasseurs des ténèbres soient plutôt en mode loup ou ouais, quoi, et traînent beaucoup près du territoire, là où un maître de fer sera plutôt en mode humain, quoi. Voilà. Donc il peut y avoir un peu tout aussi, quoi. Ouais, étant donné, parce qu'on est vraiment au cœur du territoire, donc il faut bien savoir si c'est là, il doit bien avoir quelque chose. Bah, j'ai lui posé la question, en fait, s'il a vu des choses assez... Il a vu, en fait, un changement assez étrange, en fait, ces derniers temps. J'ai de t'aider. Merci. J'ai de t'aider, et après, tu verras combien de questions tu as. Tu as droit à deux questions. Ma première question, c'est, deux points, tu me dis ta première question, et je te répondrai. Est-ce qu'il a vu des changements dans le bois, en fait, assez significatifs, en fait, au niveau des animaux? Par exemple, on a tous entendu un grand bruit et on s'est tous cachés. Répète, s'il te plaît. On a tous entendu un grand bruit et on s'est cachés. Ah, tu veux voir un homme tout nu? Du coup, la deuxième question, c'est... De quel genre de bruit, en fait, était-ce? Tu le vois qu'il... il aboie. Il essaie d'aboyer, mais de modifier son aboiement pour le rendre plus menaçant, peut-être plus fort que le bruit que fait un renard, quoi. Ouais, donc du coup, c'est animal, et puis toi, dans le genre, tu le canon. Ouais. Nous, on n'entend pas ça, hein, on est d'accord. Ah si, vous entendez le renard qui... Qui jappe. Qui fait des petits bruits, mais... On comprend pas la discussion. Ouais. Ok. Voilà. Mais du coup, toi, tu sais que il essaye d'imiter quelque chose qu'il n'est pas physiquement capable de faire, quoi. D'accord. Il se montre un peu agressif. Plus féroce que ce que... Ouais, que ce qu'un renard peut faire normalement, quoi. Exactement. D'accord. Okay. Donc, ce sera sûrement plus gros que lui, certainement. Peut-être. Alors, je rappelle, vous êtes toujours à dans la forêt, vous êtes à une centaine de mètres du locus, hein. Ouais. Soit d'accord, au niveau de la scène, hein. Donc on est toujours, en fait, enfin le renard, en fin de compte, est très proche, en fait, du centre. Ah oui, bah il vit à une centaine de mètres, mais vous êtes loin de pouvoir voir en détail le menhir, enfin le dolmen, etc., etc., hein. Donc on soit d'accord. Mais ouais, donc il te dit, il y a eu un grand bruit, et puis et donc le bruit ressemblait à une espèce de truc un peu agressif, quoi. D'accord, ok. Bon bah du coup je vais raconter ça à mes potes. Ok, vas-y, qu'est-ce que tu nous dis exactement? Moi je vous raconte, en fait, que du coup que apparemment il y a eu des trucs bizarres, en fait, les animaux, en fait, se sont cachés. En tout cas, le renard, en fait, s'est caché, en fait, suite à un grand bruit très féroce. Un rugissement très féroce. J'en sais pas plus. Je pourrais surinterpréter en disant que c'est peut-être des loups-garous qui auraient attaqué la meute. Peut-être une lutte de territoire. Ah, apparemment, il n'y a eu qu'un seul rugissement. Un loup-garou super badass. D'après ce que j'ai pu voir dans les deux mondes, le territoire semble abandonné. Les esprits se prennent le locus sans se soucier de notre présence. Est-ce qu'il y aurait moyen pour vous de contacter le totem de la tribu, de la meute, afin j'ai, de pas, peut-être... j'ai pas expliqué ce que c'est qu'un totem, ça n'existe pas.
D'accord. Est-ce qu'il y a des traces par terre d'objets, de... Alors je vais dire deux choses. Un, par exemple des téléphones, des objets, on va dire, de la vie courante humaine. Et deux, parce que je suis pas sûr, de la piste de loup-garou, un truc qui aurait marqué une odeur, machin comme ça, quoi. Non, répète. Donc un téléphone ou des objets en fait humains qui auraient été laissés là, en fait, y a des traces. Et Alors, un vous êtes à une sac. centaine de mètres. Comment tu fais pour trouver des traces à une centaine de mètres? Ben, je regarde déjà de loin si je vois des trucs qui brillent. Non. Il fait nuit, hein, je te le rappelle. Hein, mais On n'a pas de lampe non. torche. Non. Et puis sinon, ben en fait, je veux aussi voir avec l'odeur si je sens pas une odeur de sang ou une odeur de. Tu sais, quelque chose que marquent les loups-garous, les choses Alors, comme ça. je vais te dire peut-être, mais il faudrait se rapprocher. Non, non, mais je vais me rapprocher, mais je te dis juste dans les. Voilà l'option. Alors, je vais faire trois trucs quand je vais me rapprocher. Donc, ces deux choses-là. Donc, chercher un objet et les odeurs et les Bah, en traces gros, de. tu vas Voilà. fouiller, hein, on Voilà, va je vais fouiller, s'embêter. mais je me mets en côté aware du style, on peut m'attaquer, que ce soit humain ou. Enfin, monde physique ou monde magique. Donc tu décides d'avancer. Est-ce que les Ouais. autres, vous voulez suivre ou pas? Ah, moi, bah, je reste pas tout seul dans la forêt. Du coup, tu t'enfonces dans la forêt? Bah, je te suis. Bah, moi, Du coup. je vais faire la même chose en sentant les odeurs, en fait, en tant que loup, en cherchant aussi. Ok, bah faites-moi tous un jet de perception, donc c'est astuce plus calme. On peut prendre celui de la forme où on est? Ouais. Ok, donc j'ai plus 4, ça fait 10. Alors, non, attends, pas tout le monde. Red Dead Redemption peut prendre celle dans sa forme, les autres non. J'ai pas de toute façon. Ok. Bah si, en perception, t'as gras dans ta forme, t'as 9 dés, hein. Ah oui, perception, plus 4. Ah, petit joueur, mon hélice. Ah, ça Je sais plus dans fait. quelle Ah non, forme t'étais. c'est du coup quand le. Ça fait 10. Un Ouais. succès. Ok. Bon, c'est pas très compliqué, hein, mais. En gros, c'est celui qui fera le plus de succès qui aura l'info, hein, mais. Pas m'embêter. Donc, Ben. Ok. Donc, bah, Redel et Sven, vous comprenez tous les deux la situation. Claudia, de ton côté, tu regardes un petit peu trop aux alentours pour voir si on vous attaque pas. Donc, tu comprends pas forcément tout, tout, tout. Mais en gros, à côté du territoire, à côté du dolmen, par contre, pardon, à côté du dolmen. Vous allez sentir la trace de 6 individus. Combien, Sur 6? les 1 6 Sur les 6 individus, il y en a 5 qui partent dans une direction et le dernier qui part dans une autre, totalement opposée aux 5 autres. Les 5 autres qui sont partis dans une direction sont rejoints par un sixième. Et vous trouvez des traces de sang, des herbes arrachées, des mottes d'herbe un peu retournées, etc. Donc vous ressentez un petit peu des individus qui se sont transformés en mode un peu lourd, quoi. Voilà. La question, vous voulez suivre quelle piste? Ça a l'air d'être des odeurs de même clan en fait un petit peu ou bien c'est Ah, c'est 6 odeurs différentes. Hein. C'est 6 odeurs différentes. Très probablement loup-garou. Hein. Oui, tout à fait, mais ma question c'est est-ce que c'est en fait le même clan en fait on peut le savoir. Non, Ah. non, non, tu peux pas le savoir. C'est des individus, point. Et tu peux pas savoir s'ils appartiennent à la même meute ou pas. D'accord, je peux pas savoir ça. Ouais. J'ai rien foutu, il est parti tout seul. C'est forcément le cerveau du groupe. Ouais, bah, Donc on a un vote pour la trace solitaire. mais c'est elles partent dans une direction opposée ou bien Ouais. ah, totalement opposée. Totalement Alors, opposée. j'essaie juste de récapituler. Hein. Donc, il y a deux groupes qui se partent. Un qui part tout seul à droite, Ouais. je schématise, et en gros, une meute, un groupe, part à gauche. Ils sont poursuivis par un individu qui a l'air plutôt massif, c'est ça? Non, ils sont rejoints. Non, ils sont rejoints, ouais, enfin, suivis, Ouais. rejoints
par un être massif. Le type solo, lui, pas du tout, on est d'accord. Ouais, alors je vais vous faire un petit plan vite fait là. Alors moi, ce que je présuppose, si cette meute a bien réagi, le groupe a été poursuivi ou a attiré, on va dire, la menace vers eux d'un côté, et une personne, sûrement la peut-être importante du groupe, on va dire, qui voulait protéger, est partie sur un autre. C'est soit ça, soit cette personne qui est tout seul et le traître qui a balancé sa meute, et voilà. Donc du coup, je suis d'accord pour qu'on aille choper le type qui est tout seul. Non. Magnifique. Alors, voile blanc. Tout à fait. Pour m'emmerder, voilà. L'autre truc, c'est le dolmen, hein. Tout ça pense. Non, mais... Et après, en fait ce plan-là, je le fais avec des dés en général. C'est beaucoup plus parlant. Donc, vous avez... Oui, mais non. Ok, donc vous avez donc au début ça faisait ça. Vous sentez que la présence a été un peu comme ça au tout début. Ils sont restés dans cette position assez longtemps, en forme humaine, très probablement. Après il y a les 5 traces qui vont de ce côté. Voilà. Et du coup, ça se transforme à ce un petit peu plus loin, quoi. Hein. Voilà, c'est pas forcément à l'échelle, mais vous comprenez l'idée. Cette trace-là part dans l'autre côté, et là arrive une dernière trace en plus qui apparaît ici, trace 7, et voilà. Et donc les traces 7 après, toutes les autres traces bougent ensemble et s'éloignent. Ouais, sachant que trace 6 aussi s'éloigne de l'autre côté. Voilà, c'est clair maintenant. Ouais, c'est très clair. Ok. On peut. Là où ils sont rassemblés, on peut trouver du terrain. Apparemment, ils semblent avoir une réunion, on est bien d'accord. Oui. Donc je prends mon petit téléphone portable, je commence à prendre des photos du truc et tout, c'est pour la postérité, vous inquiétez pas. Et du coup j'essaie de voir s'il y a des traces de. Enfin s'il y a eu une conversation plutôt agitée ou pas, tu sais, en regardant plus ou moins les traces par terre. Ouais, ils sont restés longtemps, vu que leurs pieds sont bien enfoncés quoi. Dans l'herbe. Ouais, mais voir, tu sais, si t'as des mecs qui peuvent rester longtemps à discuter tranquillou, tu vois, t'en as qui. Être agité ou choses comme ça, c'est par rapport à ce qu'on peut voir autour. S'il y en a qui tournaient en rond, qui tapaient du pied par terre ou des choses comme ça, quoi. Non, c'est plutôt calme. C'est plutôt. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de. Comment dire, de stress ou. Enfin, je sais pas, ou d'agitation, quoi. Non, quoi, plutôt, quoi qu'il soit passé, c'est pas déterminé dans leur. Ou alors ils se sont quittés bon enfant, quoi. Du coup, en fait, l'endroit un peu. Un peu saccagé, c'est quelle direction? C'est tout ou bien? Ah non, c'est que la direction où il y a le plus de traces. Hein. D'accord, que la direction où il y a le plus de traces. Et, ouais. Un peu plus loin après que le gars la septième trace les a rejoints ou bien un peu avant? Au niveau et un peu après. Ouais, même un peu avant aussi, remarque, un petit peu avant aussi, ouais. Ok, donc en fait, si je comprends bien la chose, je pense que. Le petit groupe, même s'il a été rejoint par quelqu'un, en fait, était bien décidé à de toute façon déjà se transformer, il paraît. Mais en plus de ça, on est un peu badass, on est pas en mode loup, quoi. Mais c'est pour ça, je vous dis, on fonce sur le solo. Si c'est bon pour vous, on fonce sur le mec solo. Ok. C'est votre dernier mot? Votre dernier mot, Jean-Pierre? Oui, Thierry. Ok. Donc, vous suivez la trace unique qui se dirige au fin fond de la forêt. C'est pas très compliqué. Hein. Visiblement, l'individu a pas passé beaucoup de temps à dissimuler ses traces. Il a traversé un peu la forêt. Vous allez voir qu'il est tombé à une ou deux reprises. Il s'est probablement un peu écorché. Vous allez trouver des traces de sang. Très 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 légère, hein. Vraiment très légère.
les effluents. Et donc, du coup, vous arrivez très rapidement au pied d'un arbre. Vous voyez une mare de sang en dessous de l'arbre, mais des hectolitres qui ont été versés là. Et en haut de l'arbre, sur une branche, à hauteur, pas très très haut, hein, mais genre 1m20 quoi, hein, de hauteur, une jeune fille de 8 ans qui est endormie sur une branche. Endormi. Ça veut dire que si je la tape, elle... Non. Bon, bah, ok. Bon, de toute façon, on essaye de... Elle a l'air blessée, elle a l'air apeurée, elle a l'air quelque chose. Elle dort. Non, mais je veux dire, est-ce qu'elle a du sang sur la gueule? Est-ce qu'elle a les vêtements déchirés? Est-ce qu'elle laisse dépasser ses seins? Enfin... Alors, à 8 ans, elle n'en a pas beaucoup. Hein. Ah, pardon, 8 ans. Désolé, j'ai pas entendu. Désolé. Mais elle a effectivement, tu remarques que sous ses jambes, elle s'est fait un peu érafler, des ronces, des trucs comme ça, quoi, des l'écorce d'arbre qui a dû un peu l'abîmer. Elle s'est un petit peu, elle a des vêtements un peu déchirés, légers. Elle est salie, elle est sale, elle est pleine de terre, etc. Elle a un peu d'herbe ou de feuilles dans ses cheveux, mais voilà. Mais globalement, okay. Ça va, elle va bien, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire, il n'y a pas l'air d'avoir de danger autour d'elle, de menace. Non. Ok, donc je me retransforme en humain. Fais-moi ton jeu. Ah putain, c'est vrai, il faut faire un jeu. C'est le même mais qu'il faut que je fasse. Ouais. Hein. Ok. Ça fait. Alors, si je suis bien, donc c'est instinct primal, plus vigueur, plus survie. Ok. Ça fait. Ok. Du coup, je vais cacher le plan, parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Moi, je le descends. Un succès. Donc, tu arrives à transformer, hein, pas de soucis. Et bon, okay. Après, voilà. Et puis bon, je veux faire après. Bah, en fait, je veux y aller du style en mode peaceful. Je viens pas pour t'agresser. Tu vois, voilà, je n'essaye pas de venir en loose day. Je veux m'approcher d'elle, genre tranquillement, pour pouvoir. Okay. Et oh, petite. Il y a des camarades de meute à côté de toi. Regarder un peu autour avant. Mais moi je me remets en forme humaine aussi, quoi. Mais moi je vais rester en ligne. D'accord. Donc tu t'éloignes un petit peu, en forme de loup, ça va, t'es discrète, hein, t'es assez petit, un loup au final. Oui, le voilà. Loup c'est d'être assez discret en fait. Ouais. Et du coup, Ludovic, tu rates ta transformation, mais tu peux réessayer. Ah, y a pas d'effet aggravant alors, ok. Non, bon, je pourrais en mettre, tu vois, mais c'est chiant, tu prends. Voilà. Donc t'attends un petit peu, donc tu passes un peu pour un con, hein, parce que tu dis « Ah, je vais me transformer !» Ça marche pas. On essaye. Ça marche. Voilà. Donc tu arrives à te transformer. Vous êtes tous les deux en forme humaine. Vous avez Redhead qui tourne autour de vous et qui s'est un tout petit peu éloigné léger. On va te planquer dans les arbres. Bah, le but c'est de vérifier un peu le périmètre. Oui. Non, j'ai compris, il n'y a pas de soucis. Ah, il y a du sang partout, un loup, va te troquer dans les arbres, sinon on va avoir du mal avec la gamine. Non, au contraire, il vaut mieux qu'il reste au sol. Il sera plus discret au sol. Dans tous les cas, comment vous approchez la jeune fille? Je lance un jet pour regarder un peu ou pas? Moi je t'ai dit comment je m'approchais. Okay. Tu remarques, il n'y a pas de danger pour l'instant. Moi je t'ai dit, je m'approchais en mode. Fais-moi le RP, je t'en prie. Ah, là d'abord je m'approche gentiment, hein, tant qu'elle n'ouvre pas les yeux, voilà, pas par pas, voilà. Et dès que je m'approche jusqu'à que je vois qu'elle ouvre les yeux, et puis un peu avant, genre qu'à moins de 3 mètres d'elle, je fais coucou, bonsoir, n'aie pas peur, je m'appelle. Non, vous ça êtes c'est qui mon deuxième plan. Rassure-toi, je m'appelle Claudia. Je Vous êtes des amis de mon papa? Sûrement. Ton papa, c'est... Quel est le nom de ton papa? Mon papa, c'est le plus fort. Ah, j'utilise un de mes dons sur elle. Ouais. Bah, lequel je veux? Le troisième. Dis-moi le nom. Connaître un nom. Okay, intelligence plus investigation plus ruse et contre résolution et instinct primal de l'adversaire. Ça marche. Ok, donc intelligence, investigation et ruse.
Alors, hop, 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 investigation, 1, 2, 3, et ruse, 3, 4, ok. Ok. Ça marche pas. Ah, merde, j'y disais, mais ça a coupé, je voulais balancer un point de volonté, et je sais pas comment ça fonctionne ici. Bah, tu faut cocher sur ta fiche et puis ajouter 3D. D'accord. Est-ce que je peux le faire rétrospectivement? Ok, donc là je lance juste 3D là? Ouais. D'accord. Oh putain, maudit. Par contre, t'as la suite complète. Hein. Oui. Ah ouais. Et clairement, là, super. Hein, hein? Elle m'a pourrir cette soirée. Hein. Voilà. Je vais finir par l'écorcher, la gamine. Bon. 4, 5, 6, 7. Bravo. Allez, je reste poli. Bon, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, non, mais ça ne marche pas, mais je reste poli. Donc, ton papa, c'est plus fort. Bien. Écoute, oui, on est des amis de ton papa. Hein, je mens. Je ne sais même pas qui c'est. La, la petite menteuse. Comme tout adulte qui parle à un enfant dans les bois qu'il retrouve dans le soir, hein, il ment. D'ailleurs, j'ai 18 ans. Alors, du coup, Ludovic, est-ce que tu dis vraiment ça? Ah, j'ai pas entendu la phrase de Ludovic. Il a dit qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, mais tu vois, je fais, mon personnage, il y a du sang partout, il est tout noir, il est un peu, il flippe un peu. Quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? On ne connaît pas. Alors là, je balance un regard, mais un de ces regards. Le regard de la violoniste. Et là, il regarde justement, on marche dans le sang, il y en a partout. Tu sens dans mes yeux le enfant égale ne pas paniquer égale ah. Bref, j'essaye d'utiliser. Alors, un ta gueule, Ludovic, non? C'est un peu l'idée. Un petit peu. Et du coup, j'utilise mon deuxième pouvoir qui s'appelle abaisser les tensions que je fais sur la jeune fille. Ok. Du coup, voilà, je commence à rouler un joint. Et du coup, je lui dis, voilà, écoute, je la regarde et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé, moi, petite? Tu as besoin qu'on te raccompagne? Non, mon papa, il va venir me chercher. Certainement. Mon papa, c'est plus fort. On peut peut-être t'accompagner à ton papa. Si vous voulez. Et qu'est-ce que tu fais dans la forêt à cette heure-ci? Mon papa, il m'a dit de courir. Alors j'ai couru. Et pourquoi il t'a dit de courir, ton papa? Parce que lui, avec ses copains, il est parti attaquer le brillant. Oh, le vilain brigand, il ressemblait à non, quoi? Non, le brillant. Le brillant. Il ressemblait à quoi, le brillant? T'es bête, hein? Oui, clairement. Enfin, t'es bête, toi. T'es une femme. Oui, t'es clairement. Un peu blonde, hein? Un petit peu beaucoup. Tu parles bizarrement aussi. Bah, tu dois avoir un accent allemand. Hein. Faut être honnête, Ah, faut que je la joue avec l'accent allemand. Bien, ah, je me rappelle de ces jeunes folies, comment on s'occupait pendant la. Ah, enfin, bref. Donc, les jeunesses allemandes m'ont appris qu'il n'y a pas à avoir peur de la chose brillante. Tu es entouré de camarades. Mon papa, il n'a pas peur du brillant. Mais il t'allait lui casser la gueule. Ah, on sent l'éducation parmi toi. Ton phrasé est magnifique. Ton père possède-t-il aussi ce niveau de langage? Ouais, là, dans ma tête, c'est bouseux d'Irlandais. Ah bah, c'est un peu l'idée. Hein. Mais est-ce que tu as besoin... on va te ramener à ton papa. Veux-tu bien nous accompagner? Alors, fais-moi un jet de social. Fais-moi un jet de... Relationnel peut-être, non? Persuasion? Persuasion, je dirais. Alors, comme tu veux, soit en présence, soit en manipulation. C'est la même chose hein, pour toi, mais... Ok. En gros, ouais, présence, tu fais... Tu joues un peu... voilà, la fille bien, la fille qui claque et qui donne confiance. La manipulation, c'est... T'arrives à lui... Une pomme. À lui expliquer, voilà. Ah, la présence. Donc, trois succès. Ça suffit largement pour la convaincre. Ça va prendre un peu de temps hein, de la convaincre, ça va pas être instantané évidemment. Vous allez devoir négocier un petit peu, puis ouais, elle va, elle va,
elle va accepter de te rejoindre, donc du coup tu vas l'attraper. Hein, parce que... Elle c'est un loup-garou, je peux sentir si c'est un être magique. Elle est trop jeune pour être un loup-garou. D'accord. Je peux ressentir un truc sur elle, un esprit ou quelque chose. Fais-moi un jet de perception. Astuce plus calme. Astuce plus calme. Ok. De succès. Ouais, tu remarques qu'elle a, elle a rien de surnaturel sur elle. Hein. Enfin, comment dire. Il n'y a rien qui donne en toi le danger, quoi. D'accord. Cependant, tu remarques qu'elle a un pendentif qui est un petit peu gros pour son âge. Ça a l'air d'être pas un glaive, mais comment ils appellent ça dans les loups-garous, enfin, tu vois, un fétiche, voilà. Non ? Peut-être. D'accord. Je regarde Sven et je lui dis « Oh, ne trouvez-vous pas qu'elle est, qu'elle a un magnifique collier, notre petite... Le collier en soi est somme toute assez banal. C'est le pendentif, le collier qui est particulièrement imposant pour son âge, puisqu'il fait quelque chose comme 8 à 10 cm de diamètre. C'est un cercle d'accord. Presque parfait, qui est en verre épais de 1 cm. Et à l'intérieur de ce palais de verre, on va dire, il y a un triskel en matériaux, en pierre verte. Alors, est-ce que c'est du jade? Est-ce que c'est quelque chose de plus... Le plus banal, vous savez pas, mais voilà, qui forme un triskel, et par-dessus le triskel, il y a un. Et sur le verre, en fait, il y a un trèfle à quatre feuilles qui a été peint, et le dessin est immonde. Toi qui as une fibre un peu artistique, Claudia, t'es vraiment. Ça fait mal aux yeux de voir le trèfle, hein. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Le pendentif, il est magnifique. Mais du coup, voilà, ça clairement ça a été rajouté par-dessus, tu vois. Ça a été fait visiblement à la gouache, vraiment tout basique, quoi. Et c'est hideux, quoi. D'accord, bah, j'essaye en fait, je vais parler avec la fille par rapport à ce genre de truc, afin de faire en sorte que Sven comprenne que je voudrais qu'il fasse un peu, qu'il regarde d'un point de vue chamanique, tu vois, genre, ou qu'il fasse un test dessus. Voilà, sans lui dire directement, je lui fais « Oh, c'est un magnifique collier !» Enfin, pendentif, que tu vois, des fois un peu insisté, en espérant qu'il comprenne ce que je lui dis. Je pense que Sven n'est pas con. Hein. Je pense que Sven l'a compris. Oui, mais bon, je suis allemand. En plus, je suis français, pas de chance. Tout le monde est inférieur vis-à-vis de moi. Oui, je sais, je comporte les stéréotypes. Donc, Ludovic, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, bah, effectivement, je regarde le collier attentivement. Tu veux que je fasse un jet d'occulte avec je sais pas quoi là pour. Ouais, intelligence occulte. Sinon, tu as des pouvoirs, hein, n'oublie pas. Hein. Ouais, mais ça, c'est pour le côté esprit, tout ça, comme il y a Jabba Warsi. Mais genre, le troisième ouais. Pouvoir peut-être t'aider. Si tu as un. Ouais, ça, je vais l'utiliser après parce que je vais chercher autre chose aussi, mais bon, ça, c'est juste pour le. Ça c'est déjà pour le culte. Petit trait d'aide, est-ce que tu peux me jeter un petit jet de perception ? Ouais, donc Ludovic, deux succès sur le culte, ouais, ça te paraît être un fétiche. Voilà. Donc un fétiche, c'est un objet magique dans lequel est enfermé un esprit. Et bah, l'esprit qui est à l'intérieur fournit un pouvoir à l'objet et donc à l'utilisateur de l'objet. Alors maintenant la nature du pouvoir. Ok. Alors tu vas remarquer un peu des traces autour. Clairement, il y a eu du loup-garou dans le coin. C'est récent ou bien c'est. Ça a quelques heures. Okay, mais moins récent ou plus récent en fait que les traces en fait de la fille en fait. Plus récent.
Clairement, tu sens que la fille a été épiée, en fait. Il y a eu quelqu'un qui a tourné autour d'elle, quoi. Voilà. Ok, on va en tout cas soit la surveiller, soit la chercher, peut-être. Bon, plutôt regarder, ouais, observer. Ok, d'accord. Ok, c'était du loup-garou. Et ça s'en va, en fait, direction où, véritablement, direction sortie de la clairière, ou bien... En fait, tu perds la trace très vite, en fait. Tu penses que l'individu a utilisé pas mal de pouvoir pour se dissimuler. Ok. Donc tu soupçonnes que c'est probablement un Iraka. Quelqu'un comme toi. D'accord, ouais, quelqu'un comme moi. Voilà. Alors, mon petit Ludovic, tu as fait deux succès, donc tu sais que c'est un machin. Est-ce que tu veux utiliser ton pouvoir, du coup ? Et du coup, le troisième que tu utilises, c'est sentir la corruption. Je crois que... Ça permet de détecter si une personne est surnaturelle. Ben, si c'est la fille du chef, si c'est comme je pense que c'est la fille du chef, c'est forcément elle est surnaturelle, parce que du coup, c'est une créature garou aussi. Certes. Alors, non, elle est trop jeune pour être un loup-garou, normalement elle va pas tilter, elle est humaine pour l'instant. Si j'utilise mon pouvoir, je vais le sentir, si elle a peut-être pas encore eu la crise, mais ça doit pouvoir se sentir, non, si quelqu'un non. est loup-garou ou pas. Non, pas encore. Non, en fait, vous pouvez avoir 25 frères et sœurs biologiques que vous pouvez être le seul à vous transformer, en fait. Il y a un facteur génétique, clairement, qui fait que vous allez vous transformer, mais il y a aussi un événement traumatisant, français, et qui va provoquer votre premier changement. Voilà, donc vous ne devenez loup-garou que avec la réunion de ces deux facteurs. Donc même quelqu'un qui a un patrimoine génétique loup-garou très très faible peut se transformer, là où quelqu'un qui a toute sa famille qui est loup-garou et qui n'est humain peut rester humain toute sa vie. Et alors, ces gens-là, on les appelle des sangloups, des gens qui ont du code génétique, qui sont de famille de loups-garous, et ils sont sangloups tant qu'ils ne se sont pas transformés. Et alors, les sangloups sont très appréciés parce que ça fait de bons reproducteurs, etc., etc., ce qui fait que si vous vous reproduisez avec un sangloup, bah, il y a de fortes chances, vos enfants seront aussi sangloups, donc ils auront une chance de devenir loups-garous, mais c'est pas une obligation. Voilà. Et vous pouvez très bien vous reproduire avec un humain qui n'est pas sans loup et quand même avoir des loups-garous, quoi. Ça peut, voilà, mais il y a quand même un poil plus de chance si vous vous reproduisez avec des sans loups. Mais dans tous les cas, elle est beaucoup trop jeune pour être loup-garou, et donc normalement, ton pouvoir ne te permet pas de savoir si c'est un sans loup ou pas. T'as des rituels qui font ça très bien. En analysant le sang, etc., en goûtant, tout ça, tu peux y arriver. Mais ton pouvoir, non, il te permet juste de savoir si c'est une créature surnaturelle. Et de toute façon, si vous croisez quelqu'un, vous sentez automatiquement que c'est un loup-garou. Il peut être dans n'importe quelle forme que vous le sentez. Sauf s'il utilise des pouvoirs ultra particuliers pour camoufler son truc. Typiquement, le genre de pouvoir que peuvent avoir des Iraka. Mais voilà. Ok. Du coup, pendant que j'observe le collier, et puis j'en profite pour regarder la fille, parce que du coup, ce sang, c'est même pas savoir d'où il vient quand même. Ouais. Bah, il vient pas d'elle, hein, parce que s'il viendrait d'elle, elle serait morte, hein, vu la quantité. Ok. Je peux utiliser Vision de la mort ? C'est automatique, je pense. Et tu ne vois rien, puisqu'il n'y a pas eu de mort. Ok. Voilà. Bah du coup, je vais utiliser mon troisième pouvoir sur le talisman parce que c'est quoi. Enfin, sur le patch. Ok, bah vas-y, jette-moi ton petit dé. Tu peux retenter hein, si tu veux, Claudia, ton pouvoir de connaître le nom. Je le retente, mais je n'utilise pas de point de... volonté, parce que je considère que ça va pas. Et je relance, ok. Je suis simple. Je peux chercher un animal, moi, un petit peu, pour lui poser la question. Un succès pour moi. Si tu veux, ouais. Yep. Ton pouvoir est bloqué, ça ne marche pas.
Je peux demander à la jeune fille de retirer le collier pour le montrer à mon ami Sven. Je peux lui demander. Alors j'essaie de lui demander avec persuasion du style « Oh, tu peux le regarder, c'est un grand connaisseur de bijoux, hein, etc. » Et de pouvoir relancer le sort sur elle quand elle n'a pas l'objet dans les mains. Enfin, sur elle. Alors tu ne trouves pas d'animaux. Ils ont visiblement déserté la zone. Et en gros, elle va te dire « Non, mon papa il m'a dit de toujours garder le collier sur moi. Toujours, toujours, toujours. » Ah, on va rejoindre mon papa maintenant ? Bah oui. Hein, et là, je regarde Sven et Red Dead. Elle a vu Red Dead ? Elle a pas l'air apeurée de le voir en forme loup ? Alors, je considère qu'elle l'a pas encore forcément vu. Ouais, okay. Elle ne l'a pas vu encore. Mais... D'accord. Ouais, et puis, ouais. Je vais vous suivre, mais je vais vous suivre en distant, pas directement tout à côté. Voilà, je reviens, je pense revenir vers le caverne, hein, puis après suivre l'autre piste, hein, quitte à amener la fille qui doit être sauvée au mauvais endroit. À moins que l'un de mes camarades ait une meilleure idée. C'est pas comme si on avait couru dans la forêt et que du coup j'ai pas ma bagnole ni rien, hein. Ben oui, mais il fallait faire le long scénario si tu voulais utiliser la bagnole. Hein. Ah, je suis d'accord. Voilà, et du coup, donc vous commencez à avancer, vous rebroussez chemin, vous vous dirigez du coup vers le dolmen, je suppose. Oui, moi c'est ça. Petit jet de perception, s'il vous plaît, à l'approche du dolmen. Perception pure, du coup Ouais. Alors, perception, c'est calme plus astuce. C'est ça. Astuce plus calme. Voilà. Ok. Donc, Redette, toi qui es un peu derrière et qui vois un peu la scène, donc tu vois très bien la chose. Claudia, tu vas le percevoir. Ludovic, s'il te plaît. Astuce plus calme, Ludovic. 3, 4. Allez, sois avec moi. Non, mais je l'ai cherché dans les talents, en fait. De succès. Ok, ben vous le voyez tous. Vous voyez un espèce de fil d'essence très très fin, genre un fil d'araignée, hein, qui s'échappe de la fille et qui à l'approche du dolmen, ben, se dirige vers le dolmen. What? C'est quoi qui se dirige? Un fil d'essence. Ok. C'est de l'énergie, hein, de l'essence, ouais. qui s'échappe d'elle, mais à un débit ultra ultra faible, quoi. Vous sentez une espèce de petit filet, quoi, un petit filet qui s'échappe et qui va vers le dolmen. En fait, elle est en train, en fait, j'interprète, hein. Et du coup, elle est en train de se faire pomper, en fait, son essence par le dolmen, qui lui-même est pompé par un des esprits, des esprits, en fait, dans le monde des esprits, c'est ça? Peut-être. Ouais, enfin, j'interprète assez ça, longtemps. Ça peut être une explication logique. Je te l'accorde, ça peut être ça. Ouais. Bah, dans, face aux maigres connaissances que l'on a pu voir, je pourrais en fait comprendre cela. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'est pas loup-garou et elle a de l'essence en elle. Ah, mais ça peut peut-être venir des colliers. J'ai fait manger de pouvoir en fait, hein. J'ai fait un réussite. Et non, ça ne vient pas du collier. Bah, c'est-à-dire que dans ça vient d'elle, j'en sais rien, hein, mais bien, en cas, entre la petite fille et la grosse mare de sang au pied de l'arbre, on a vite conclu que la mare de sang était peut-être appartenait en tout cas peut-être à la fille. Mais qui de en fait que la fille a plutôt été portée par quelque chose de quelqu'un et que qui a été et elle a été simplement portée en fait pour être mise sur l'arbre, enfin, et qu'en fait le papa de la fille est en fait plutôt lui à l'ouvert. Mais bon, et ce qui est étonnant, c'est quand même que les traces s'arrêtent à l'arbre et ne partent pas à un endroit après. Alors Vous comprenez très bien aussi, enfin, quand vous allez voir ce petit filet là qui s'échappe, ça ne s'active que quand vous êtes à proximité du dolmen, vous vous en éloignez un tout petit peu, ça s'arrête, vous revenez, ça repart. Oui, on parle de 50 mètres à tout péter.
Ah, même pas, hein, c'est 2-3 mètres. Hein. C'est à 2-3 mètres du dolmen que ça s'active. Hein. Ok. Donc, Mon pouvoir, il a donné quoi, Bobby? Rien. Ok. Ton pouvoir est bloqué. C'est pas qu'il a pas marché, c'est qu'il a été bloqué. Tu vois du noir, tu vois rien. Comme si elle était, si elle était pas là. Et pareil pour toi, Claudien. Vous continuez votre route ou vous restez On peut goûter, on peut goûter le sang par terre, ça peut nous donner quelque chose. Oui. Donc, je mets un doigt dedans et puis alors, c'est dégueu. Non, c'est pas si dégueu que ça. Hein. C'est même tentant en fait. Mais faut savoir que il est interdit pour vous de manger de la chair humaine de loup. Cependant, si vous le faites, ça vous donne de l'essence. Et donc en fait, c'est super bon en fait de manger de la chair humaine. Mais le problème, c'est que si vous le faites, bah, vous devenez fou. Donc voilà, c'est un tout est question d'équilibre dans ce jeu. Ok, donc quand je goûte le sang, histoire de voir si c'est naturel ou pas naturel, si c'est le du sang normal. C'est du sang humain. C'est du sang humain. Bon, tu n'es pas forcément ultra calé pour le savoir, mais tu as dû au moins goûter ton sang, donc je pense que tu remarques pas de trucs particuliers sur le sang, quoi, mis à part, il te semble tout à fait normal. Bon, tu m'as dit qu'il y avait des hectolitres de sang, donc je suppose que... Oui, ça a séché. Hein, ouais, comme le personnage il est assez calé en science et tout ça, quoi, je veux dire, enfin, je suppose. Par rapport au poids de la fille, ça semble son équivalent ou c'est beaucoup plus que... Non, si elle avait perdu cette quantité de sang, elle serait largement morte. Hein. Ok, c'est ça, ce sang... Mais même un humain, qui aurait perdu une telle quantité... Alors, elle se transforme vraiment en quelque chose de monstrueux et bien plus grand qu'elle, ce qui paraît quand même assez bizarre. Mais bon, enfin, on sait jamais. Ou bien, c'est plus quelqu'un d'autre. Ma question est-ce que vous continuez à rebrousser chemin, et c'est-à-dire que vous allez vers les autres traces? Là, je considère que vous êtes au dolmen. Hein. Oui, oui. Pas très loin. Quoi. Vous continuez. Bah, je demande, je pense que ce serait intéressant que Red part en éclaireur et que nous, on marche plus lentement, en tout cas moi avec la fille, et qu'ici, y a un grabuge, que je puisse sauver la fille en l'amenant dans ma Porsche et après dans un pub tranquille. Quoi. Quant à ça, vous lui avez posé la question, la fille, en fait, où est son papa? Bah, moi j'ai présupposé que c'était l'un des chefs de meute du coin. Ouais, moi aussi. Ok. Vu qu'il a dit qu'il était avec ses potes et qu'il se battait contre le brillant, et vu les traces, on a vu qu'en gros il y avait une troupe contre un. C'est vrai. Tiens, du coup, je peux faire un petit jet d'occultisme, savoir ce que c'est qu'un brillant, si j'ai entendu un truc ou une rumeur, ou lu dans un bouquin un truc concernant ce machin. Ouais. Sur le net. Donc j'ai fait deux réussites. Ok. Donc effectivement, le brillant, ça te parle, mais bon, après, tu sais pas si c'est dans le bon contexte. Hein. Ok, ça me parle de quoi alors? Oui, ok. La tronche de vainqueur. Même pas qui fait. C'est Zadie Brillant. Okay. Jeu de mots, ça, voilà. Non, mais à part ça, tu ne sais plus. Non. Non, honnêtement, tu ne vois pas de quoi ça parle, Brillant.
Ok, du coup, je vais partir en éclaireur quand même un peu devant, et puis, mais toujours en restant un peu caché de la fille, hein, de ce pas qu'elle me voit. Mais du coup, je vais partir devant, et puis je vais bien faire gaffe, en fait, pour bien savoir, en fait, s'il n'y a justement pas, tout à coup, une nouvelle trace, en plus des six autres traces que, du coup, elle en a pu voir. Ouais. Bah, les traces, en fait, enfin, la septième trace, en fait, qui rejoignait le petit groupe, bah, ça a l'air d'être un peu plus amical et plus je rejoins que plutôt. Ouais, je pense que ça devait être un éclaireur ou un truc dans le genre. Ouais, je suis comme ça. Alors, je vais commencer une description et tu vas voir que tu vas peut-être changer ton idée. Tu t'avances un petit peu, tu rentres très rapidement dans la forêt. Et tu fais 2 mètres dans la forêt que tu vois un homme qui est placardé à un arbre, transpercé de plusieurs flèches, et un homme nu. Une coutume locale, sûrement. Voilà. Et l'homme qui est placardé contre l'arbre était une des traces, une des 5 premières. D'accord. Une des 5 premières. Ouais. Ok. Alors, tu peux même me faire un petit jet en médecine intelligence, si tu veux. Tu vois. Je pense que tu as. Ok, je vais même faire. Je pense savoir en fait qui ou quoi est la septième phrase. Alors, ouais, je vais enlever la fiche de perso parce que ça prend un peu trop de place pour pas grand chose. J'ai 3. Ok, voilà. Un succès. Alors, les blessures que tu vois sur le corps de l'individu, t'as jamais vu ça. Donc, ce sont des flèches en bois, j'imagine. Non. En argent. Peut-être. Peut-être. Bah, après, t'es en forme de loup, donc du coup, c'est galère parce que c'est des carreaux, donc déjà. Tu vois pas les pointes, quoi, genre de choses, quoi. Oui, je vois pas. C'est assez en hauteur, donc, par rapport à la taille que tu fais, effectivement. Tu serais en forme humaine, tu verrais sans souci, tu vois. Mais là, c'est un peu plus galère, quoi. Oui, parce qu'il est placardé assez haut, quand même. Ouais, c'est ça. Okay, par contre, il s'en est pris plusieurs. Et tu vas, par contre, remarquer très rapidement qu'il y avait un mécanisme, en fait, un piège qui s'est déclenché. Ok, d'accord, parce que c'est ça que je voulais justement te dire, ouais, c'est que bah, avant de m'approcher clairement, je vais peut-être un peu regarder à droite à gauche. Bah, en fait, à droite à gauche, tu vas très vite remarquer qu'il y avait plein de pièges, que beaucoup ont été déclenchés. Il y en a quelques-uns qui vont pas l'être. Voilà, tu vas pouvoir les éviter sans trop de soucis. Hein. Mais en gros, tu sens que dans la ligne droite dans laquelle tu es, les pièges ont été déclenchés, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Après, il n'y en a pas 25 000 non plus, mais voilà. Pardon ? Du coup, il y a eu un malheureux. Oui. Pour moi. Voilà. Ok. Du coup, ok, ça veut dire le septième, en fait. Le septième est un. La septième trace, en fait, est plus un loup-garou, ou ça peut être un humain. Après, ça devient confus là, à l'endroit où quand la septième trace arrive, ça devient vraiment confus niveau trace, et c'est un peu le bordel, quoi. Cependant, toi, t'as remarqué ce corps. Les deux autres, tes camarades, sont en train d'arriver derrière toi. Ils s'approchent. Ouais, je vais me transformer en fait en humain, et puis je vais aller à leur. Ok. Et leur dire de pas avancer plus, en fait. Je vais les stopper, en fait, pour pas qu'ils avancent. Ok. Je peux discuter avec eux. Ouais. Ça marche. Ouais, je considère que tu l'as fait, pas de soucis, tu t'es retransformé, tu vas leur parler. Tu peux. C'est ça. Et je t'en prie, parle-leur. Je leur parle. C'est le moment. Alors, RP arrêtez-vous, pas de plus.
il y a des pièges. Hein. Pas manquer plus que ça. Il est désamorcé, je sais pas, fait quelque chose, on a une gamine avec nous là. Quoi? Bah, si t'as vu qu'elle est, si tu sais qu'elle est pire, c'est où ils sont. Oui, je sais où ils sont, mais enfin, c'est-à-dire que j'ai vu en fait, il y a des pièges, et puis au sol, certains ont été déclenchés, d'autres ne le sont pas encore, et puis il y a. Et puis je m'approche un petit peu de vous, un peu discrètement, pour. Près de votre. Non, je murmurerai en fait pour pas que. Je le répète, hein, les pièges sont déclenchés dans une grande portion du truc. Oui, dans une grande. Il n'y en a pas 25 000 non plus, et ils sont pas particulièrement si dissimulés que ça. C'est relativement facile de. Voilà, il y a, si vous rentrez dans la forêt et que vous marchez, il n'y a aucun souci, vous allez les voir. Ouais, c'est voilà, possible. En courant quand on ne s'y attend pas, ouais, courant, c'est pas la même chose. Quoi. C'est ça. Ouais, ça a été limite, ça a été fait à la va-vite quoi. Ok, d'accord. Et bah, sérieux, t'as vu un cadavre? Oui, j'ai pas pu encore l'analyser, je voulais vous prévenir avant. Ah, Svent, toujours ce tact. Qui vous caractérise. Peut-être que connaissez-vous un chemin plus approprié afin de rejoindre son père, ma chère Redemption. Ouais, non, mais ce serait intéressant d'aller voir le cadavre. Il y a peut-être des... Vous pouvez y aller tout seul, Sven. Vous me rapporterez des photos, Sven. J'en montrerai, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, la forêt. Ah, je vois que vous êtes très arboricole. Ouais, il m'arrive de fumer quelques joints parfois. Là, tu vois, je vais t'accompagner. Bien, ouais, laissez une jeune femme blonde toute seule avec une petite fille dans les forêts, hein? Ah. Ouais, mais visiblement, jeune femme n'a pas peur du noir. Elle est monstre. Tu vas pas nous jouer des violons? Alors là, je me sens vexé dans mon honneur allemand. Elle était un peu facile, hein, quand même. Et du coup, bah, je me dirige vers un. L'honneur allemand, ils en ont pas beaucoup, tu sais. Oh! Du coup, j'essaye de me diriger, mais pour éviter la zone où il y a le machin, et du coup, je continue à avancer pas trop vite à la vitesse de la jeune fille. Du coup, on va jeter un coup d'œil sur le cadavre. Ouais. Ok. Toujours en mode awareness, on va nous attaquer, et puis okay, j'ai qu'un bouclier humain avec moi. Si vous êtes en forme humaine près du cadavre, vous pouvez extirper les projectiles, donc oui, c'est de l'argent. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Les blessures qui en découlent, bah, c'est du pu un petit peu immonde. Ça a une odeur, mais monstrueuse. Ça reste collé à vos doigts si vous touchez. C'est orange, en fait. C'est vraiment immonde, hein, comme truc. Par contre, bah, du coup, comme vous êtes debout, vous voyez un petit peu mieux le corps. Et donc, c'est l'alpha de la meute des pierres blanches que vous avez devant vous. Donc... Ok. Donc, si on considère le raisonnement correct, bah, et qu'on considère qu'il est correct, il y a le papa de la jeune fille ici. C'est une possibilité. Si je suis le bien entendu, le raisonnement que mes deux confrères ont eu. Bah, du coup, ouais, d'ailleurs, bah, du coup, c'est Alpha, on reconnaît forcément ce qu'on l'a rencontré. Ouais. Bon, il est dans un sale état. Je voudrais pas dire, mais c'est en mettre les doigts dans le cul. Ça nous fout grave dans la merde, ça. Le truc d'orange qui coule, c'est à cause de. C'est une réaction entre le sang et le carreau, ou c'est du poison qui serait sur le carreau? Ah non, c'est juste l'argent hein, qui fait ça. Ouais, c'est une réaction allergique en fait. Ouais. En fait, l'argent, quand vous le portez à la main, c'est chaud. Ça chauffe. Ça vous met mal à l'aise. C'est pas douloureux, mais c'est chaud. C'est pas agréable à porter, quoi. Donc vous, entre guillemets, vous pouvez porter de l'argent. C'est un limite un péché envers Merlune, mais ça peut se faire, ça peut se négocier, quoi. Si vous avez une gourmette en argent, voilà. Par contre, si on vous donne un coup de poing sur la gourmette et que la gourmette rentre dans votre peau, là, ça vous fait hurler votre race. Ouais. Voilà.
Clairement. Pas une bonne idée. Donc c'est pas une très, une très très bonne idée de porter de l'argent sur soi en fait. Surtout quand on va au combat. Quoi. Ça peut être très efficace si vous affrontez d'autres loups-garous. Mais c'est aussi un péché d'utiliser de l'argent contre un loup-garou. Mais après, les loups-garous, voilà, c'est des individus, ils peuvent aller aux mêmes extrêmes que les humains peuvent faire. Hein, donc voilà. C'est comment dire, inacceptable pour nous bah, de d'avoir des, je sais pas moi, la pédopornographie est, hein, est quelque chose de tabou pour nous, mais il y a des humains pour qui ça l'est. Voilà, c'est acceptable. Et qui s'y pratiquent, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu ce même genre de choses, quoi. Ça reste un tabou, l'argent pour la société des loups-garous, mais il y en a qui peuvent l'utiliser. Quoi. Ok, du coup, je veux bien fouiller en fait le personnage et voir s'il n'a pas justement un, s'il n'y a pas un collier en fait qui ressemblerait à la nana en fin de compte, à Titi. Ah, sur lui? Non. Ok, et il a rien dans ses poches ou bien des trucs comme ça? Non, rien du tout. Il est quasiment à poil. Hein. Par ouais, contre, le mec, c'est une armoire à glace, quoi. Il fait 1m90, 100 kg que de muscles, voilà. C'est un beau bébé, quoi. D'accord. Et il s'est fait un peu agrafer à l'arbre, quoi. Bon, mais ce qu'on voit, c'est pas à peine d'utiliser mon pouvoir s'il y a eu quelque chose d'anormal ou pas. Ah ben, là, clairement, il s'est pris un piège, donc c'est pas... Clairement, ton pouvoir sur la mort, là, enfin, vu sur la vision de mort, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà, te dit que la mort a été violente. Hein, en gros, donc ton pouvoir, en fait, te permet de remarquer les traces laissées par la mort. Donc c'est un pouvoir de niveau 1, donc faut pas non plus espérer qu'il fasse le café. Mais il a un avantage, c'est qu'il permet de savoir si une mort a été violente ou naturelle. Et donc, en fait, ça laisse une espèce de trace un peu... de sang un peu virtuel, et en fonction de cette trace, tu peux imaginer comment la mort a été, si elle a été violente ou pas, et deuxièmement, ça te permet de parler aux fantômes s'il y en a. Malheureusement, les créatures surnaturelles telles les loups-garous ne laissent jamais de fantômes. Mais les okay. Humains, ça peut arriver, mais voilà. Bon, au moins, il n'a pas trop souffert. Ça va. Faites-moi un petit jet de perception tous les deux. De ton côté, Claudia, tu t'es arrêté un peu avant, c'est ça? T'as continué à marcher? J'ai continué à marcher, mais assez lentement. J'ai essayé de faire parler un peu la fille tout en étant un peu awareness, afin d'en apprendre un peu plus sur son père. Alors, la sens un peu agitée quand même. Voilà, mais j'essaie toujours de la calmer. Moi, je suis toujours hyper au taquet, du style j'entends une mouche péter. Mais en même temps, j'essaie de tirer vers du nez, du coup, c'est pas facile. Sur ah bon, bah ton papa, il ressemble à quoi? Mais dans l'idée, tu vois, j'essaie de voir si je le reconnais. Oui, elle va te décrire quelqu'un physiquement, ça va coller à l'alpha de la meute. D'accord, du coup, je vais lui dire ah, mais je l'ai rencontré là, blablabla, moi aussi. Enfin, tu vois, je vais bien montrer le copinage. Et après, j'ai demandé de me décrire le brillant, de qu'est-ce qui s'est passé dans la clairière. Alors, pour le brillant, elle le sait pas trop. D'accord. Tout ce qu'elle se rappelle, c'est qu'il était brillant. Et voilà, c'est pour ça qu'elle l'appelle comme ça, hein, mais sinon, au final, elle l'a pas vu. Pendant ce temps, Red Dead, tu vois que 50 mètres plus loin, il y a un autre cadavre qui est par terre. Ah oui. Et du coup, en faisant attention, on va pas déclencher un piège, tu vois. Y'a pas de soucis, hein. De toute façon, sur la trajectoire, tous les pièges ont été déclenchés. Hein. Ouais, donc je vais m'approcher, puis je regarde. Ouais, bah tu vas voir un individu pareil. Ça va être une femme, cette fois, plutôt aussi athlétique, physiquement. Les mêmes types de blessures. Par contre, c'est pas des projectiles qui ont fait ça. Ça dégage toujours ce même pus, ce même odeur, etc. Donc c'est des blessures en argent.
Clairement, hein, oui. Tu fais un plus un, quoi. Mais par contre, les formes, ça te fait penser à des griffes et des mâchoires. Ou des mâchoires. Ok, nous avons affaire au loup argentin. Un robot. C'est dégueulasse. Mais non, c'est Wolverine. Et après, tu remarques que encore plus loin, dans la même trajectoire, dans la même ligne droite à peu près, tu vas trouver trois corps qui sont empilés l'un sur l'autre. Morts. Empilés ? Ouais. Empilés, vas-y, c'est bizarre. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, la meute, il va rester que au mieux le mal alpha hein, à la fin. C'est un tas, quoi. Non, hein. Non, c'était ouais. Pas le mal alpha qui était... Si, le premier cadavre, c'est le... Ah, c'est le père de la fille. J'avais pas fait gaffe, oh putain. La merde. Donc dans le genre, c'est bien que vous avez passé du côté. Et du coup, moi j'ai pas compris ça, du coup je me dirige vers la mort comme un con. Enfin, comme une conne. Oui. Ok. Donc, effectivement... Par contre, si mes comptes sont bons, il manque un cadavre. Oui. Le chef de la meute, le bah, celui qui fait bouffer par les griffes, et les trois oui, autres. Oui, il en manque un. Donc normalement, il en manque un. Je vous ai mis sur la carte, hein. Je sais pas si vous l'avez sous les yeux. Je ouais, vous ai mis à peu près... Moi, j'ai le Twitch à côté, du coup, près, voilà. Oui, mais c'est vrai, du coup, il devrait y avoir 6 cadavres s'ils sont tous morts, et il y en a en fait que 5. Vous voyez donc Claudia qui se dirige avec l'enfant, qui s'appelle Lisa, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Elle va quand même te lâcher son prénom, hein, au bout. Se dirige vers visiblement le premier corps. Est-ce que vous faites quelque chose? Ah ben, oui. Mais elle avait pas fait le tour, exprès? Ben non, Claudia m'a dit qu'elle avait ralenti, mais qu'elle vous suivait quand même, quoi. Je pensais faire un détour, mais je suis peut-être mal exprimé aussi. Bah moi j'ai compris que tu faisais un détour, justement, du coup c'est pour ça que je me disais « Ah bah c'est bon, au moins t'es pas passé par là. » Ah non, moi j'avais entendu que tu avais ralenti, que tu marchais très lentement, que tu discutais avec elle, mais que tu... Non, il passait plus loin, quoi, justement, pour éviter le cadavre. D'accord. C'est ce que j'ai compris aussi, quoi. Ok, bon, bah dans ce cas, là, pas de soucis, tu passes un peu à côté, pas de problème. Donc elle vient pas, la fille? Non. Mais vous, okay. Du coup... Je vais vous faire avancer un petit peu pour savoir où vous êtes. Donc, toi, t'es par là. Toi, t'es par là. Et toi, du coup, avec la gamine, t'es par là. Je sais pas si vous avez tous la carte, hein, sous les yeux. Ouais, ouais. Je l'ai plus, mais... Ça va. Bah, tu vas dans la fenêtre et tu la recoches. Normalement, elle apparaît de nouveau. Ouais. C'est Dolmen. Ah oui. Donc, faut regarder un petit peu sur la gauche. Du dolmen, justement. Peut-être sur la oui, gauche. Ok. Et je t'ai mis au-dessus d'un carré noir pour qu'on voit ton nom, en fait. C'est un rectangle noir pour qu'on voit ton nom, parce que. Sinon. Vous voyez pas trop. Donc. Qu'est-ce que vous faites? Je vais regarder le tas de cadavres. De quoi ils ont été tués. Alors, bah pareil que le premier cadavre, enfin que les deux premiers, par des blessures faites par l'argent, c'est certain, des griffes et des mâchoires pour le coup, et on a joué avec eux. Et par contre, eux ont des physiques beaucoup moins musculeux, moins sportifs, qu'est-ce etc. Qu'est-ce que t'entends par on a joué avec eux, c'est-à-dire on s'est amusé à les... Genre je te donne un petit peu de Pokémon, c'est... Un petit bah c'est un lion qui joue avec un lapin, quoi, si tu veux. Ouais, ok, bah, le truc du chat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est... Là où le mec clairement... Le mec qui joue avec des faibles, quoi. Voilà, là où l'adversaire qui a tué le premier et le deuxième... Clairement, il n'a pas joué avec eux, il est allé au plus concret, au plus direct, et pour s'en débarrasser le plus vite. Après, les trois autres, ça a été plutôt easy, quoi. Donc là, il s'est décontracté un petit peu, quoi.
Ça veut pas dire qu'il a pas morflé, hein. Parce qu'à mon avis, enfin, tu te doutes bien que, enfin, vous vous doutez bien avec Red Dead que, vu les traces, ils se sont pas quand même pas laissés faire et que trois loups-garous bien énervés, ça fait, ça envoie quand même du bois, quoi. Donc. En même temps, tu disais qu'il s'était pas non plus transformé en n'importe quoi. Hein. C'était vraiment en super badass. Ouais. Ils se sont pas laissés faire. Non, clairement, mais ça n'a pas suffi. Ouais, apparemment. Mais surtout à 5 contre 1. 6 contre 1. Je comprends mieux. Ou en tout cas 5. Les morsures, c'est des morsures de quoi type animal ou. Genre, c'est le. Le pauvre héros qui s'est mis des fausses dents en. Un protège-dents en argent, c'est bon. Je sais pas si. Ouais, ça fait des traces d'un. Assez grosse, quoi, donc des griffes de loup-garou, ça peut être l'idée, quoi. Alors, ils ont aussi pris des pièges dans la tronche, hein. C'est pas ça qui les a tués, mais ça les a probablement bien affaiblis et ça leur a bien fait mal. Ça a dû bien descendre leur concentration et leur capacité à se battre, quoi. Donc, à partir du moment où t'as un contact avec de l'argent, ça reste dans ton sang. Ça provoque une douleur qui était tellement atroce que te battre à côté, voilà, c'est compliqué, quoi. Ça demande d'être hyper expérimenté, quoi. C'est quand même dingue, parce qu'il y a quand même des pièges, ça a quand même été préparé. Ouais. Et puis ils se sont fait attaquer sur apparemment une certaine longueur, quand même, parce que... Ils ont foncé dans le tas comme des sauvages, surtout. Bah, j'aurais tendance à dire en fait là qu'ils se sont fait attirer par quelque chose parce que quand même ça a l'air d'être assez sur une ligne droite là comme ça. Ouais, un le, peu, mec ah, ben, oui, le mec les attendait visiblement, hein, il a monté des pièges et tout ça donc. Je vais rejoindre Ludovic, Sven. Ouais. Et puis il y a des traces en fait qui continuent en fait à un endroit ou l'autre. Et pour le dernier gars, quoi. Fais-moi un petit jet de perception. Donc Claudia, je considère que t'es toujours en parallèle, du coup t'arrives à peu près en même temps. Enfin, t'es un peu en arrière, mais t'es à peu près par là, quoi. T'as évité les cadavres. J'ai la question, c'est que... régulièrement, quoi. Ouais, ok. Avant ça, du coup, me retransformer en loup, en fait. Non, ouais. Non. Ouais, vas-y. Fais-moi un petit jet pour le coup. Hop. Easy, ça va, tu te transformes. Et du coup, perception? Ouais. Un succès. Bon alors, en fait, tu vas effectivement sentir une trace. Ça ressemble un petit peu à la trace que tu avais sentie près de la fille. Ça tourne dans tous les sens. Tu trouves pas de direction, en fait. Tu vois pas. Tu sais pas si l'odeur que tu sens, elle est. Si tu la remontes ou si tu la suis. Tu sais pas dans quel sens ça va. Enfin, c'est vraiment le bordel. Tu sens une présence un peu partout. Et l'odeur, je sais pas dans quelle direction ça va, mais je reconnais. Elle est, clairement que c'est la trace qu'il y avait là-bas. C'est ça. Et c'est très très diffus. C'est très compliqué à. Tu vas la perdre souvent. Tu vas la retrouver un petit peu. Tu vas galérer. Hein, tu vas tourner un peu autour. Et au final, tu vas arriver à un endroit où visiblement sur un cercle à peu près parfait a été l'herbe a été arrachée etc et où tu vas trouver des traces de sang avec des cadavres de petits animaux. Il va y avoir un cadavre de lapin et un renard, quoi, un truc dans le genre. Ok, c'est dommage, ça aurait été une terre brûlée et on aurait pu dire ouais, il y a un terminator qui est apparu. Ça aurait été une terre brûlée, il y aurait quoi? J'ai entendu ta phrase. C'est ça. Les animaux en fait ont l'air mâchouillés ou bien vraiment mangés normalement ou bien c'est juste en fait du massacre et de la tuerie. Ça ressemble plus à du massacre et de la tuerie.
Ils ont pas été mangés en tout cas. Ok, donc c'est juste. Je les ai écorché, ça m'a trouvé ça marrant. Ok, ok. Est-ce que tu parles de ta découverte? Ouais, je vais retourner, puis je vais. En tout cas, vers Sven, hein, pas vers Kaiser. Ouais. C'est pas très loin, hein, la zone, enfin ce cercle. Le cercle est pas très très loin, il y a peut-être 20 mètres à tout casser, hein, des trois cadavres. Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, tu as tourné un peu tout autour, et puis au final, tu. Et sur ce cercle-là, l'odeur est quand même un peu plus marquée. C'est pour ça que ça t'a amené là-bas, en fait. Hein. Oui, tu as trouvé. C'est-à-dire que c'est là un petit peu que ça s'arrête. Ouais, après tout, en fait, tout ce qu'il y a après, autour, c'est beaucoup plus faible, ouais. Donc, tu sais plus, quoi, tu sais plus où aller. Je peux en conclure, en fait, la créature, en tout cas, qui s'est arrêtée là, elle s'est arrêtée pendant un certain temps avant de. Ok. Oui, tu peux en conclure ça, tout à fait. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que Sven, tu vas voir la zone ou pas? Ah oui, bien sûr. Hein. Fond, là, tu me parles de cercle de magie. Je suis déjà là, moi. En effet, c'est pas un cercle de magie, c'est un cercle de rituel. Fais-moi un jet en occulte intelligence, s'il te plaît. Ok, c'est un rituel de soin qui a été exécuté dans ce cercle. Les animaux sont, les animaux vivants sont des ingrédients au rituel de soin. Ah, c'est cool ça. Voilà. Le sacrifice des animaux permet de soigner en fait. Mais malheureusement, le rituel a probablement été, retardé. Enfin, interrompu plutôt. Mais donc il n'a pas eu effet quoi. Et il y en a eu deux. Rituel. Vu le nombre d'animaux, il en a probablement fait deux, et avec un petit écart entre les deux. Hein. Ouais, bon, on sait pas si c'est le premier qui a été interrompu ou bien deux. Ouais, effectivement, ça. Bah, il a de succès, c'est un peu léger pour savoir ça, quoi. Mais, Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites, du coup? Bah, il me manque toujours le dernier type. Ouais. Claudia, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ok. Alors, perception, c'est astuce plus... Calme. Plus calme, merci. Ah, tiens, oui, t'es transformé, au fait. Tu as l'étrange sensation d'être observé. Alors j'essaye de jeter là où ça pourrait être. Eh ben, t'as l'impression que c'est à droite. Puis deux secondes après, t'as l'impression que c'est à gauche. Alors j'essaye de rebrouiller après, chemin. 20 secondes plus tard, c'est peut-être. T'as l'impression qu'il est juste à côté de toi, derrière le buisson. Puis 30 secondes plus tard, il est à 200 mètres derrière toi dans ton dos. Voilà. C'est ok. Très bizarre. J'essaie de nous diriger vers là où se trouveraient donc Sven et Redhead. Ouais, je considère que tu les as pas perdus de vue. Hein. Bah du coup, je retourne vers eux en leur disant. Tu te rapproches tranquillement, ok. Je suis dans loup. Ouais, pas de soucis. Hein. Mais je vais rester en loup comme ça. Bien à côté de Sven. Alors, moi je considère que vous êtes pas très très loin des cadavres. Est-ce que quand vous voyez Claudia qui commence à s'approcher et qui vous regarde en mode venez m'aider, vous faites quoi? Bah, je vais peut-être aller un peu plus loin que les cadavres. Bah, en fait, vous allez tous les deux me faire un jet de astuce plus empathie pour comprendre si elle est en stress ou pas, la Claudia.
Non, c'est son état naturel. Non, un succès. Vous arrivez à comprendre tous les deux que elle a pas l'air à l'aise. Bah forcément, c'est pas son point là quand vous. Si vous voyez, j'ai l'air de quoi moi dans cette forêt. T'as regardé mes godasses sont tout crottés en plus maintenant quoi. Enfin, vous avez fait un succès, donc considérez que elle est pas à l'aise au point de venir vers vous pour réclamer de l'aide, hein, clairement. Bah du coup, elle vient par ici, Claudia. Je la dirige plutôt, tu sais, bon, pas là où il y a le cercle plutôt que vers le tas où il y a les cadavres. Okay. Oui, plutôt, c'est un peu moins gore pour la gamine que. Ouais, ouais, dans la gamine et puis les cadavres. Surtout qu'elle les connaît apparemment, les mecs, donc. Bah en fait, le cercle, je vais vous le faire, hein, vous marquer où il est, hein. Il est là. Donc vous voyez la position, quoi. Bon, l'échelle n'est peut-être pas bonne. Soit cadavres, soit. Voilà, donc soit vous êtes. Vous êtes là, vous vous rapprochez. Donc si elle continue, bah elle va passer entre les deux cadavres. Donc il y a une chance, enfin entre le tas de cadavres et l'avant-dernier, enfin le deuxième. Et voilà, soit vous démerdez, mais vous restez comme ça, vous faites autre chose. J'ai appuyé au 30 secondes. Si elle croise pas de cadavres, du coup, bah je lui demande de venir par ici, c'est plus simple. En même temps, s'il y a un cercle, c'est que je pense que. Regarde le plan, elle va passer entre les deux. Ouais, mais les voit pas. Dire, surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est le cerf qui. Il a été fait. Il prend de la place, il fait quand même mètre. Ah, il fait même pas un mètre. Oui, il fait un mètre en tout cas. C'est comme si c'était. Je pense que j'imagine en fait que. Il était assis dedans, c'est tout. Tu fais un cercle autour de toi avec tes bras. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, moi, quand tu me parles de quelque chose de grand, c'est grand. Non, j'ai pas dit que le cercle était grand. Non, mais je voyais ça plus grand en fait, c'est pour ça quoi. C'est à force de regarder des mangas et tout. c'est pas le super cercle de la mort qui tue avec un pentagramme à l'intérieur ou un pentacle ou ce que tu veux pour invoquer un monstre de qui va attaquer Tokyo. Hein. Ouais, c'est le truc genre plutôt la petite sorcière qui fait son petit zombie sur la table ou tout dans le genre quoi. C'est l'idée. Okay. Et pour le coup, moi je considère que là, dans la trajectoire actuelle, la gamine elle peut voir le tas de cadavres. Hein. Ouais, bah du coup c'est moi qui vais vers eux quoi, c'est plus simple. Vous avancez, vous vous rejoignez un tout petit peu avant l'axe médian entre les cadavres. Ouais. Y a pas de souci. Alors, à ce moment-là, vous entendez une voix qui vous dit abandonnez cet enfant, elle est à moi. N'est pas votre histoire. Je serre bien l'enfant sur les épaules comme si comme si c'était un bouclier humain en fin de compte. Et du coup, c'est une voix à voix haute, hein, on est d'accord, c'est pas dans nos têtes. Non, c'est une voix à voix haute, c'est une voix très très grave, très gutturale. Hein, c'est clairement un loup-garou probablement qui parle, hein, vu la déformation de la voix. Ce qui est très, très bizarre, c'est que. Le premier mot de la phrase est devant vous, le deuxième est sur la droite, le quatrième mot est sur la gauche, etc. Et en fait, bah, vous avez l'impression qu'il vous parle un peu tout autour de vous, quoi. Eh ben moi, je réponds quel loup-garou serait suffisamment indigne pour abandonner une enfant à l'inconnu. En gros, accessoirement, nous, on n'est pas. Les arbres pourris font des arbres les arbres pourris font des fruits pourris. Euphorisme dans ta gueule. Bam. J'avais envie de lui dire, c'est un peu léger, mais bon. Ça veut dire qu'en fait, si j'interprète comme il faut, dans l'idée, c'est un sang pur et il accepte pas de mélange. Bah, c'est soit ça, soit c'est un mec de la meute qui s'est fait virer et qui du coup poutrave la meute. Parce que si c'était un pur sang pur, il nous attaquerait aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément quelque chose contre nous. C'est juste contre cette meute-là. Oui, c'est vrai. Du coup, soit on la laisse et du coup on récupère tout le territoire pour nous parce que voilà, la meute a disparu. Ouais, il va falloir faire des esprits quand même. Ouais, mais je veux dire, après, voilà, on engage. Cet enfant est.
est issu d'une branche du peuple qui a trahi les siens. Ils en ont payé le prix, elle doit subir ma justice également. Et après ça, je partirai et le territoire, si vous le désirez, sera à vous. Je n'ai aucune envie de... Qui êtes-vous pour demander justice ? Chez le peuple, la justice n'existe que quand on la fait soi-même. Le peuple. Le peuple, c'est le terme pour utiliser pour les loups-garous, en fait. C'est comme ça que vous vous appelez. Ok. Vous appelez le peuple. Ouais, j'avais tourné ça dans le sens du peuple, c'était les humains. Mais... Du coup, je peux tenter de localiser avec... Les humains, c'est le troupeau. Ouais, c'est le troupeau, les humains, et puis le peuple, c'est... J'avais tourné ça dans le sens. Alors, tu peux faire quoi ? Un jet pour... Tenter de localiser avec ma ceinture de la corruption. Parce que du coup là c'est un gaou en face de nous. Donc oui. C'est un être surnaturel, donc je devrais pouvoir le localiser avec. Ouais mais alors oui, bon vas-y fais ton jet. Il y a un jet d'opposition, non, je pense. Je sais pas, faut que tu regardes page 135. Ah mais y a aucun problème hein. Bah j'ai que ça comme explication dans le sort donc. Ah non mais moi je peux l'avoir hein. Moi j'ai pas le bouquin donc je peux pas avoir pas. Le MJ est en train de tourner les pages. Non, je cherche mon PDF. Je vais pas le m'emmerder là, je cherche mon bouquin. Puis je vais utiliser un petit point de volonté. Alors, on va le faire autrement. Tac, tac. Alors, 135. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont gardé les mêmes pages un peu, normalement pour les bouquins en français et anglais. Ouais, c'est bien ça. On va essayer du moins. Alors, 135. Alors du coup. Oh, succès. Mmh. Il va faire son petit jet de résistance. Oh putain, alors, non. Ok, tu gagnes. Tac. Donc t'arrives effectivement à localiser, sauf qu'en fait il bouge super vite, quoi. Et donc il tourne tout autour de toi. Ok, il utilise un espèce de sorte de rapidité, quoi. Ouais. Enfin, je suppose. Ouais, bah il en utilise même plusieurs, en fait. Et, il utilise plusieurs types de sorts différents. Et... Donc du coup, moi je vais juste dire, l'impur, c'est plutôt celui qui trahit la déesse de la lune, enfin notre... pas la lune, quoi. Merlune. Je ne l'ai pas trahi, j'ai épousé sa cause, et ils ont voulu m'en faire payer le prix. Ils ont perdu. C'est toi qui as passé les pièges ? La justice a été rendue. Ouais, donc t'as un corrompu. Non. Ça fait quand même un mec qui se venge juste pour se venger. Non, mais surtout qu'il a utilisé des armes en argent quand même, quoi. D'ailleurs, parce qu'il a quand même des traces de mâchoires en argent et des traces de griffes en argent. Oui. C'est clairement un péché. Ça, vous le savez, c'est clairement un péché de faire ça.
Le choix est simple, laissez-moi la fille et partez. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ou faites les relous et vous allez périr comme la meute ici. Présente. Ah, je ferais bien un truc fourbasse, mais bon. J'ai plusieurs choses. Soit j'hésite. Hein. Ouais. Soit j'essaye de motiver mes camarades avec mon pouvoir pour les lancer contre sa gueule en espérant qu'ils gagnent. Soit, donc ça c'est une passion positive, soit j'essaye de filouter en abaissant ses tensions pour essayer d'arriver à négocier avec lui au moins un délai. Tu sais, le temps qu'on arrive un peu à comprendre et sortir de cette situation et qu'on aille chercher les fusils à pompe. Ah. Vous voulez pas laisser la gamine et partir ? Et vous revenez demain et puis vous récupérez le territoire. Non, bah par principe, on a été plutôt bien vu par cette meute. Elle nous a accueillis, tu nous as dit gentiment. Ouais. Je veux dire, nous, on les connaît après, pas. C'est un grand territoire, hein, donc c'est plutôt cool à voir. On a quand même 7 en humanité, quoi. Je veux dire, enfin, l'équivalent de l'humanité, quoi. Donc, après, je connais pas assez mon personnage pour savoir comment il pourrait réagir à cette situation. Parce que bon, je sais que c'est une magnifique blonde allemande, mais avec ça, je veux dire. Sincèrement, c'est plus toi qui devrais me dire si mon personnage peut trouver cette solution acceptable. Non, genre, honnêtement, non. Bon, bah voilà, c'est réglé. Je veux dire, moi, je suis le type, le gars pour moi, c'est l'équivalent nature psychopathe qui s'en prend une gamine, quoi. Ah. Ouais, voilà, donc du coup, non, on va se battre. Enfin, pour moi, c'est plus ça. Donc, tu vas te battre. Elle va se battre, la route. La route. L'autre. Ah, mais toi, t'es blondiné, toi, ça va. Ma coupe, j'y tiens, s'il te plaît. Donc, Est-ce que c'est votre dernière bafouille ? On va s'embêter hein, si vous. Ouais, si donc. J'essaie. Il y a l'autre bafouille qui s'est terminé en 5 lettres court. Oh, non, je sais. Je vais essayer donc, je vais apaiser ses tensions en lui disant que. En lui disant un gros bobard du style. Nous sommes la solution, nous nous occuperons de cet enfant afin que elle ne puisse. Ok, initiative. Ouais, ok, bon, bah, du coup, je rebalance mon pouvoir plus pour leur dire, les gars, allez, les gars, courage, pétez-leur la gueule. Donc, l'initiative, c'est 1 des 10, et vous l'ajoutez à votre score d'initiative qui est dans votre fiche. Ok. Sur la seconde page. Il y a une ligne avec initiative. En fonction de la forme dans laquelle vous êtes. J'ai fait 6. Ok. Ça veut dire que j'ai fait que 1 mon jet de dés, c'est nul. Non, t'as fait une connerie avec ton jet de dés. T'as fait un succès. Ah oui. T'as fait 9 à ton jet de dés. En fait, j'ai fait 1, ouais. T'as 14. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un. Claudia qui a 14. Tu ouais, j'ai fait un N au lieu de faire un D en fait. Oui, c'est un des 10 tout court, c'est pas la lettre. C'est pas la commande N. On compte pas le nombre de succès, c'est la valeur du dé. Ça, ça, ah ouais, erreur de ma part. Du coup, Redhead, lance-moi ton petit dé 10. Ok. Plus 11, okay. Bim. Eh bah. Ah bah ouais, je suis un loup. Ah ouais, non, il n'y a pas de soucis. Donc 14 pour Claudia, 14 pour Ruth, et 13 pour vous. Tac. Alors, du coup, je considère Redhead et Claudia, vous allez me jeter un jet de perception tous les deux, en fonction de votre forme. Ludovic, c'est pas la peine, le pouvoir que tu as fait avant te permet de repasser, pas en avoir besoin. Ce jet-là, ça va vous déterminer si vous êtes surpris ou pas. Astuce plus calme, c'est ça ? Ouais, donc Redhead, tu n'es pas surpris, donc tu as ton initiative. Et, j'ai de fou que j'ai fait. Ah ouais, 8 succès. Pas mal. Ferme. 2, donc vous n'êtes pas surpris, donc très bien. Lui va faire son initiative, je vais la tirer en cachet, c'est marrant. Tac. Ouf, ok.
Ok. Bon, bah, il se jette. Il part en courant et il se jette sur direction. Alors, on un peu la carte. Vers Claudia. Ah, voilà. C'est toujours les Allemands qui ont le mauvais rôle. Oui. Bah, c'est toi qui as la gamine. Hein. Donc, à un moment, faut assumer. Hein. On va lui mettre une petite couleur verte pour l'Irlande. Voilà. Et je vais mettre le bad guy du coup, parce que ça peut être marrant aussi. Et on va lui mettre une couleur qui tâche. Alors. Voilà. Alors, le brillant se dirige vers vous. Visiblement, il a attaqué du côté où Claudia était un petit peu seule. Cependant, vous avez l'initiative et donc vous pouvez agir. Donc, c'est qui est en premier du coup ? En premier, alors il y a un 14 et c'est. Il y a 14 et 14 et 13. Ok. Donc du coup, en fait, ça va être Red Dead, Ludovic, le méchant et Claudia. Pourquoi je suis en dernier du coup ? Ah non, pardon, t'as chanté 6 en fait, mais non, t'as plus que ça. Non, j'ai 14. Oui, d'accord, bah du coup, ça va être Red Dead et toi, et après Ludovic. Et ok, après, d'accord. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites, les deux qui ont 14 ? Moi je voulais regarder la carte, hein, je vous ai mis la situation, c'est très basique, hein, mais voilà. Moi je voulais me transformer en gourou. Ouais. Donc voilà, donc je vais passer mon tour à faire un jet de transformation. Alors, tu peux dépenser un point d'essence pour te transformer automatiquement et ne pas avoir de jet à faire et faire une action en même temps. Alors je le Autre fais. Autre chose. Cependant, quand tu es en forme gourou, la seule chose que tu peux faire et qui ne demande pas de jet, c'est te diriger vers un ennemi. Ou attaquer. Si tu veux faire autre chose que ces deux actions-là, il faut faire un jet. Ce jet-là, t'as un malus. Et si tu échoues, tu pars en rage mortelle et tu tapes sur n'importe qui. Ouais, mais c'est fun. Voilà. Ah, les Allemands. Oui, les Allemands. De toute façon, donc, le type, on le voit arriver, du coup, je peux le taper. Oui. Ah ben, je considère que oui. Oui ouais, alors taper. Okay. Donc du coup je me transforme en gourou. Curiosité, puis donc tu transformes en gourou, il n'y a pas de problème, tu me coches ton point d'essence, on n'en parle plus. Tu me fais tu me jettes 4D s'il te plaît, 4DN. 4N, on va voir. Juste pour le fun. Comment tu fais ? Voilà, un succès. Ok, bon tu marches sur le pied de Lizzie. Oh, au passage. Hein, au passage. M'en fous, au pire elle va avoir le delirium, ça va, elle se souviendra pas. À la mort. Et ben tu peux me faire un jet d'attaque. Pareil pour Red Dead, hein, si tu veux. Moi en fait je vais me transformer en fait en Ursule. 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 Ouais. Je balance un jet pour ça. Tu peux dépenser un point d'essence pour le faire automatiquement et faire autre chose dans l'action. Par exemple attaquer. Ok, alors je vais faire ça et puis donc j'enlève un point d'essence, c'est ça? Ouais. Donc dans la première machin des sens là, vous cochez juste le premier en fait. Et que. Voilà. Ok, du coup je fais ça et puis je vais essayer en fait de contourner un peu assez rapidement quand même, mais d'essayer de se mettre dans son dos en fait. Ok, donc ça veut dire que tu n'attaques pas ce tour-ci. On est d'accord. Du coup je vais pas pouvoir attaquer ce tour-ci. C'est ça. Donc tu t'es transformé. Me mettre derrière. Moi c'était une bonne grosse attaque dans ce. Tu fais le tour. Ok. Tu veux attaquer. DPS. Donc pour toi, Red Dead, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de plus de jet que ça pour faire le détour. Il n'y a aucun souci. Claudia, fais-moi ton jet d'attaque. Alors ton jet d'attaque. Écoutez bien les autres parce que. Et notez. Parce que le jet d'attaque c'est un peu compliqué. Le jet d'attaque c'est force dans la forme dans laquelle vous êtes. Plus votre compétence de bagarre. À cela,
vous pouvez ajouter 2 points, 2 dés supplémentaires si vous utilisez votre mâchoire. Et vous pouvez utiliser 3 dés supplémentaires si vous utilisez votre volonté. Un peu de volonté. Et si vous utilisez une attaque brutale, c'est-à-dire que vous sacrifiez votre défense, bah vous pouvez gagner 2 dés supplémentaires. Est-ce que c'est clair? Encore une répétition et ça devrait être bon. Donc, force de la forme plus bagarre. Je vais l'écrire. J'ai force. Combien en défense? J'ai 3, donc ça veut dire que du coup, l'autre perd 3D, hein, c'est ça? C'est ça. Et si je passe en assaut brutal, du coup... Il gagne 2D, mais du coup, lui, il va pas perdre 2D face à toi. Donc il aura son pool de dés complet. D'accord. Alors, force plus bagarre, plus volonté, donc 3D, plus mâchoire, 2D, plus éventuellement brutal, donc 2D supplémentaires, mais pas de défense. Sachant que ces trois-là sont facultatifs. Voilà. Donc, au minimum, vous avez force plus bagarre. Après, la mâchoire, bon, c'est gratuit, c'est idiot de pas l'utiliser. Autre chose, Claudia, quand tu le vois arriver, il a de l'argent sur lui. Ses griffes et sa mâchoire sont en argent. D'accord. Ok, bah je vais viser la jugulaire, hein, le coup. Donc sérieusement, le mec, en fait, il a en fait incorporé en lui, en fait, oui, il le gêne, en fait, normalement. Je vais vous expliquer après, vous aurez le fin mot de l'histoire. Ah, je crois que c'est un don, ça, non? Vous aurez le fin mot de l'histoire après. Alors moi, c'est du coup, c'est tout de suite, là, c'est peut-être un mec qui a du style, c'est tout. Du coup, moi, je vais faire force plus bagarre. Je balance un point de volonté. J'utilise ma mâchoire et je fais une action brutale pour bien qu'on sente la puissance de l'Allemagne. Okay. Du coup, je voulais savoir, ça dépasse les 10. J'ai 11. Est-ce que je peux balancer 11 ou il faut que je retranche un peu? Alors, tu balances tes 11. Cependant, il y a sa défense qui s'applique. Sa défense est de 7, donc t'enlèves 7. Voilà. Ok. Donc il me reste que 4. C'est ça. Meilleure pourriture! Oh la vache! Ok, tu attaques, tu fais un succès. Tu le touches, tu fais un dommage. C'est bien. Ensuite, du coup, Redhead a joué. Bah, il te reste Sven, que fais-tu? Vas-y, Sven, puis! Sans blague. Courage, puis! Ben, comme moi je suis seul qui passe en ce moment humain, je chope la gamine et je cours dans une direction. Ok, fais-moi un jet de force s'il te plaît. Passe. Ok. Prends un petit point de volonté là pour avoir un peu plus sur force, on sait jamais. Ok. Ok, la gamine te casse le poignet. Mais aïe! Saloperie! Quand t'essayes de l'attraper et que tu vois que tu veux faire le combat, elle te prend, elle te tourne le poignet, elle te le casse. C'est un démon, il faut l'attaquer! Bon. Ok. Donc vous avez agi votre tour. Maintenant, c'est à lui d'attaquer. T'as pas de défense, hein? Ah non, bah si c'est bon, full, c'est direct. Hein, t'es dans ma gueule. C'est l'idée. Hein, ouais, vas-y, cache. Check. 9 succès aggravés, bam! Bon, alors, je vais utiliser ma fiche. 9 aggravés, hein? Ouais. Alors, santé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis morte!
Alors, non, c'est pas 10, parce que tu as j'ai plus de la vigueur. Ah oui, du coup, j'augmente ma nombre de points de vie. Alors, vigueur, j'ai gagné 2. Et après, en taille aussi. Donc, tu gagnes 4 points de vie en plus. Alors, j'ai gagné plus 4. Donc, j'ai 7 de base, je crois. Attends, 3. Enfin, j'ai 7, et tu me l'as fait 9. Du coup, il me reste 2 points de vie. Ok. C'est bizarre, c'est pas... Par contre, il doit être seulement amoché, quoi. J'ai des malus ou pas? Ah oui, t'as moins 1 à tous tes jets de dés. Ah, c'est tout, juste moins 1. Ok. Par contre, tu vas me faire un jet de résolution plus calme. Pour pas partir en frénésie direct. C'est ça, si tu échoues, tu pars en courant. Y a une difficulté particulière? Non, faut juste faire un succès. Si tu fais un succès, ça suffit. Voilà. Donc c'est bon, tu ne pars pas en courant. Mais tu es en galère. Il t'a fait chier. Ouais, là, mais oui, bah, en même temps, quand tu m'as dit le malus devant moi, j'ai fait. En même temps, c'était évident, vu qu'il a massacré une meute. Donc, deuxième tour. Hein? Bon, bah, j'ai beau être matinal. Que fais-tu, Red? Moi, je vais l'attaquer par derrière. Ça me donne un avantage de l'attaquer par derrière. Aucun. Ah ouais, il n'y a même pas un plus 2, un truc comme ça? Okay. Non, non. Cependant, ce qui vous donne des bonus, c'est d'attaquer à plusieurs. Et la petite Lisa, là, elle lui a arrivé quoi, tu disais? Ah ben... elle m'a pété le poignet. elle a brisé le poignet de Ludovic. Bizarrement, elle est en train de grandir. Un petit peu. Un petit peu? Ouais. Je pense que le... Je me demande si je vais pas lui arracher son collier, quoi. C'est quelque chose que je pense aussi, personnellement. En fait, elle est en train de l'arracher, son collier. Ou même, en fait, il y a une main qui tient le collier et qui l'arrache, voilà. Et l'autre qui t'a cassé le poignet. Ah, c'est pour ça, peut-être qu'on pouvait pas choper son nom, c'est qu'en fait, ça le manipulait la personne, et du coup, c'est une sorte d'aura mystique qui l'a bloqué. Enfin, bloqué. Qu'il a une sorte de cache, quoi. Et donc, effectivement, au moment où le collier elle va l'enlever, elle va se mettre à grandir très rapidement. Est-ce que je peux... Ça me coûte une action de connaître son nom, du coup, maintenant qu'elle a pu le collier? Ah oui, 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 ça c'est ton tour. Lancer un pouvoir comme ça, ouais. Ah. Ça m'apporterait quoi si je connaissais son nom? En fait, c'est utile pour pouvoir invoquer quelqu'un, ou pour savoir s'il te ment. D'accord. Et si tu lui demandes son nom en vocal, en oral, et qu'il te ment, bah tu peux le savoir. Et après, le nom, ça permet, en rituel, ça peut invoquer la personne. Ok. La personne ou l'esprit, hein. Ouais, mais là, on est d'accord que je demande le nom au mec qui m'attaque ou de la fille, ça m'apporterait rien tout de suite. C'est ça, c'est pas trop trop le délire. Ok, bon bah, je vais taper. Attends, j'ai un moins 7 à mes G. Oh putain. Non, t'as un moins 1. Ouais, ouais, mais il a une défense de 7 de base. Putain, il a une défense de 7 et oui. Il y va même pas full, oh, le salaud. Mais quel porcasse. Bah, bien sûr. Bah, en fait, en gros, si vous voulez avoir une chance contre lui, il faut l'attaquer à 3 et tout le temps. Parce que, en fait, votre calcul, c'est que. Le premier qui l'attaque, il a 7 en défense. Le deuxième qui l'attaque, il a 6. Le troisième, il a 5. Et donc, si vous l'attaquez à plusieurs au même tour, le dernier qui attaque, il a une défense relativement faible. Et donc, il vaut mieux mettre ceux qui ont peu de chances de toucher au début, comme ça, ils consomment la défense de l'adversaire. Et à la fin, vous mettez les mecs qui peuvent taper vraiment fort. Comme ça, eux, ils ont une défense ridicule, qu'ils peuvent surclasser. Ils vont se taper un moins 5, ce qui est important, mais quand t'as 13 dés, ça peut aller, quoi. Ok, voilà. Bon bah du coup je fais une attaque, je garde ma défense, voilà. Mais j'utilise un point de volonté. Et sachant que vous pouvez dépenser un point de volonté pour améliorer votre défense aussi par rapport à une attaque de quelqu'un. Du coup, je t'en prie, attaque. Hein. Raté. Ok, 0. C'est pas grave, hein. Tu le rates, mais il a quand même évité ton coup, donc ça lui consomme sa défense. Du coup, Red Dead à toi. Oui, moi je l'ai attaqué déjà en fait.
Et du coup, ça me fait. Avec... Il a toujours une défense à 7 du coup, du coup il a... Non, il a 6 pour toi. Ok. Ok, bah, moi je me suis pas, j'ai pas fait brutal. Hein, finalement. D'accord, j'ai utilisé un point de volonté. Ok. C'est pas mal, tu lui mets une griffe bien, tu l'attrapes bien, c'est plutôt pas mal. À toi Sven. Et il a 4 blessures pour l'instant, 4 aggravées, je lui ai fait un au départ. Ah non, vous lui faites du létal, hein. Vous lui faites pas du aggravé vous. Ah oui c'est vrai, du létal, bah c'est pareil. Du coup Sven utilise un point d'essence pour monter ça en garou. Ouais. Et puis bah il va frapper hein. Ok. Ah oui, en tout temps d'accord, tu veux dire meurs, tueur d'alpha. C'est pas meurs pour tueur de communiste d'habitude qu'on crie, mais. Oui, c'est normalement meurs pour tueur. Moi, c'est ce que j'ai essayé de dire quand j'ai fait mon dégât. On a le droit de dépasser 10 dans les dés ? Ah oui, bien sûr, on n'est pas les zingards. Hein. J'ai un perso qui lance 20 dés à l'attaque hein. À loup-garou, hein. Donc pas de soucis. Hein. Et lui, il en lance 17, hein, donc ça va. Ouais. Il en lance 17, putain, mais pourquoi j'ai gardé des dés en défense ? Je sers à rien. Ah non, moi j'ai un seuil de 5, je crois, non ? Oui, c'est ça. Donc en fait, tu as lancé 6. Bon, refais ton jet, parce qu'à mon avis, en relançant 6 dés, tu vas faire plus que 2 succès, mais... Pourquoi tu relances 6 dés ? J'ai fait les... J'ai lancé 11 dés, donc c'est bon, non ? Mais oui, mais t'as un seuil de 5. T'as moins 5. T'as pas 16 dés en tout. Non. T'en as 11, donc 11 moins 5, ça fait 6. Donc ton jet d'attaque, c'est 6 dés. Bon, bah tu fais 2. Ok, donc là, ça commence un peu à... Maintenant, va y avoir la Lizzie qui fait maintenant 1m90 et qui est bien poilue. Elle va attaquer. Alors, combien elle peut avoir, elle ? Ouais, donc elle a ça. Elle va faire ça. Après. Ouais. Ok. Bon, elle lui met une droite, elle le traverse. Elle lui traverse la cage thoracique. C'est moi qui avais fait tout le travail. Ok, elle a été blessée, hein, parce que dans l'action, il lui a enfoncé ses griffes dans son corps, à elle. Et pour le coup... une fois qu'elle enlève son bras de son torse, le mec tombe, les griffes sortent du thorax de la jeune fille. Enfin, une jeune fille qui fait 1m80. Hein. Et. Gentille, Lisa, gentille. Voilà. Et du coup, Lisa vous dit avec une voix très, très gutturale, suivez-moi. Et elle se met à marcher vers le domaine. Ah, je pense que du coup, elle va tabasser tout le monde. Protester et puis j'embravise. Vous voyez que ses blessures sont en train de se refermer. Moi, je laisse. Clairement, vu l'attaque qu'elle s'est prise, ça aurait tué n'importe quel loup-garou. Hein, parce que ouais, l'argent en plein dans le thorax, alors, voilà. Mais bizarrement, pour elle, c'est des blessures normales. C'est pas des blessures. Enfin, c'est des blessures graves quand même, mais bon, comment dire. Vous auriez pris ces mêmes blessures en argent, vous serez mort, vous serez pris ces mêmes blessures par des couteaux ou par des griffes normales, vous seriez pas mort, votre système de régénération vous aurait sauvé, en fait. Voilà. Et c'est ce qui se passe un peu pour elle. Ok, du coup je peux utiliser mon pouvoir sentir la corruption vite fait sur elle, comme elle a plus son collier. Ouais. Bah même si elle avait son collier, hein, tu pourrais l'utiliser, mais rien ne t'en empêche. Juste qu'il marchait pas, mais c'est quelqu'un de possédé. De possédé. Ouais.
Donc, du coup, je peux utiliser mon deuxième pouvoir de, sur les deux mondes pour voir si c'est un esprit qui possède ou si c'est. Le scénario est fini. Laisse-moi faire la cinématique de fin. T'auras toute la conclusion. T'inquiète pas. Donc, vous le suivez. Vous arrivez au dolmen. Il vous demande de le rejoindre et il outrepasse. Donc, il va de l'autre côté. Donc, vous faites votre. Vous le rejoignez, je suppose. Oui. Non, il vous a demandé de venir. Hein. Donc en gros, il vous a dit suivez-moi. J'ai l'intimidation, mais voilà. Donc il passe de l'autre côté, vous le rejoignez. Bizarrement, quand il est arrivé de l'autre côté, les esprits sont partis. Hein voilà. Les esprits qui étaient en train de se régaler avec le locus sont cassés très très vite. Il vous regarde. Vous voyez devant vous en fait un loup-garou qui est en forme d'alou, mais qui fait quelque chose, enfin la taille d'un immeuble de 5 étages. À ses pieds, il y a Lizzie qui est en forme humaine, enfin qui a repris sa taille normale et qui est un peu inconsciente, quoi. Voilà, qui est inconsciente à ses pieds par terre, quoi. Et il vous dit je suis Fintan, le petit grand-père plutôt, arrière-grand-père de Lizzie. J'ai vécu autrefois sur ces terres il y a des siècles, et cet enfant est ma dernière descendante. Et pour tradition, depuis que je suis devenu un esprit, d'aider mes descendants. Et donc, je vais vous demander de prendre Lizzie sous votre aile et de l'accompagner dans sa quête qui l'amènera probablement à faire partie du peuple un jour. Et elle sera, j'en suis sûr, un membre très, très important pour le peuple. Mais c'est bon, on va se faire des sorties sinoches, tout ce qu'il faut, quoi. Nous allons veiller sur elle. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous dire? Depuis que la meute de son père, qui était avant sa naissance mon dernier descendant, a été attaqué par un ancien membre de la meute. Son père se savait menacé. Il a forgé un objet pour aider sa fille. Et l'objet avait le pouvoir de contrer tout pouvoir de loup-garou. Et quand j'ai appris pour les menaces sur la meute de père de ma dernière descendante, j'ai voulu l'aider. Et donc je l'ai possédé. Officiellement, une possession, quand un esprit possède quelqu'un, c'est interdit. C'est un esprit qui vient dans le monde physique, donc il n'a pas le droit de le faire. Donc en général, les loups-garous interviennent. Bon, là c'est particulier, mais voilà. Si un esprit, si des adolescents massacrent des gens dans des lycées aux États-Unis, c'est probablement parce qu'ils ont été possédés par un esprit du meurtre. Ou qu'ils sont dérangés. Mais voilà. Ou qu'ils ont été un petit peu poussés par lui. Ça peut être une des explications. En tout cas, dans l'univers loups-garous. Donc voilà. Du coup, les possessions en général, c'est pas une très très bonne idée. Mais pour le coup, voilà. Le problème, c'est que donc pendant ma possession, le bouclier qu'a forgé son père m'a empêché d'aider, et donc je n'ai pu intervenir que au dernier moment. Voilà. Est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez compris le scénario? Je pense que j'ai compris les grandes lignes. Ce qui s'est passé, c'est que du coup la meute des Pierres Blanches est une grande meute, etc. Voilà. Un des membres de sa meute a utilisé le pouvoir qu'on appelle mâchoire d'argent. Qui est un pouvoir, je vous lis les effets. Donc, alors les Sélènes, donc c'est les esprits de lune qui sont inférieurs à Merlune,
peuvent enseigner à un loup-garou comment devenir son propre cauchemar. Ce don transforme les dents et les griffes du loup-garou en de terribles armes en argent. Recourir à ce don est un péché envers l'harmonie, ce qui pousse de nombreux loups-garous à se demander pourquoi les esprits de lune aident les loups-garous à errer. Hein ? Est-ce une sorte de test ou simplement un caprice de Merlune ? Voilà, donc en fait, ce don permet aux gens d'être très 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 efficaces contre des loups-garous, mais c'est aussi un test de Merlune, et donc si tu utilises le don, un peu t'échoues au test. Quoi. Et voilà, et donc du coup, lui, il a visiblement échoué au test. Quoi. Et en fait, il s'est fait petit à petit, son harmonie est descendue à un point où sa meute a dit casse-toi, quoi. Tu es devenu, incapable de rester parmi nous, donc tu te casses, quoi. On va pas te tuer parce que c'est interdit, parce que t'as été un monde de meute, etc., etc. Mais casse-toi. Il a pris ça pour une trahison, il a commencé à cogiter. Le mec, c'est un Iraka, donc quelqu'un qui est très spécialisé dans le territoire. Il le connaît sur le bout des doigts. Il connaît très bien la meute, il sait comment ils vont réagir. Et donc le mec, comme il a une harmonie très très basse, il commence à cogiter un plan de la mort qui tue pour monter un truc et attaquer la meute. Donc il a ses entrées dans le territoire, hein, puisqu'il le connaît très bien. Donc voilà, donc il va prendre son petit temps tranquillou, il va placer ses pièges et tout ça, puis il va mener l'attaque. Il sait, il avait exactement prévu la réaction, il savait que l'alpha, qui était le plus balèze du groupe, allait agir en premier, donc il l'a dirigé dans un piège. Pareil pour le deuxième, qui était aussi balèze en combat, donc c'était les deux qui pouvaient avoir une chance contre lui, quoi. Et après, les trois autres, il y a joué avec, quoi, parce que c'était vraiment des trois faciles. Du coup, bon, poussé par sa vengeance, il a voulu continuer un peu ça. Il a voulu tuer la gamine, sauf que la gamine, elle s'était enfuie, et que du coup, le collier, quand il s'est approché d'elle, il s'est retransformé en forme humaine. Comme il venait de se farcir une meute entière avant, du coup, ses blessures se sont réouvertes, puisqu'il est repassé en forme humaine. Du coup, il a perdu une quantité de sang monstrueuse, et il a hurlé. C'est là que vous l'avez entendu. Il s'est rebarré. Et il a pour aller refaire un deuxième rituel de soins, parce qu'il en avait fait un juste après le combat. Voilà, sauf que ça a pété au contact du pendentif. Vous êtes arrivé, et puis vous connaissez la suite, quoi. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout. Ok, ok. Oui, quand même, quoi. Donc c'est un scénario. Du coup, il y avait une version plus longue. Ça permet de récupérer son sang et tout ça, quoi. Ouais, c'est vraiment un pouvoir magique, hein, le rituel. Ça, le rituel permet de soigner les aggravés, hein. Ouais, mais donc, du coup, c'est un sort qui marche sur la longueur. C'est-à-dire que le premier avait pété, quoi, qui s'est rebouché. Donc, d'après ce pourquoi, il a d'abord attaqué la meute. Il s'est soigné, ouais. Il est allé voir la fille, et là, paf, le sort a sauté. Du coup, il s'est pas entièrement. Oui, mais en fait, le sort, ça permet pas de soigner complètement. Ça t'enlève les gros dégâts, mais tu veux pas enlever 25 points de dommage, quoi. Tu vas enlever les 2-3 points d'aggravé qui t'embêtent. Et donc, les 2-3 points d'aggravé qui t'embêtent quand t'es en forme loup-garou, ça va. Mais quand tu repasses en forme humaine, du coup, tu perds des points de vie. Donc, tes blessures qui sont tellement conséquentes font que t'es proche de la mort en forme humaine, quoi. Voilà. Et donc, c'est ce changement-là qui a fait que ça l'a... Ouais, c'est pas j'ai pas d'idée qu'en fait, ça donne des points de vie en plus quand t'es en garou. Donc, du coup, effectivement, quand tu passes en forme humaine, si tu fais pas gaffe, t'es cuit, quoi. Voilà, si te reste 3 points de vie en forme gourou et que tu te transformes en humain, t'es mort. Tu meurs à un moment où tu deviens humain, en fait. Parce que tu perds 4 points de vie, et donc du coup, pouf. Et techniquement, Claudia, si elle veut pas mourir, il faut pas qu'elle se transforme avant de soigner ses points de dégâts. Donc ça veut dire que là, elle va rester très très longtemps en forme gourou. Enfin, en forme Ursule, plutôt. Mais je croyais que tu pouvais pas rester indéfiniment en forme Ursule. Toi, t'es en forme gourou ou t'es en forme Ursule? Un gourou, moi. À gourou, tu vas pas pouvoir la tenir. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te passer en forme Ursule. Ce qui va faire que tu vas pas perdre tant de points de vie que ça. Et tu vas, par contre, rester en Ursule longtemps. D'accord. Genre plusieurs semaines, en fait, si tu veux pas mourir, quoi.
Ok. Parce que vous, vous n'avez pas le rituel qui vous permet de vous soigner, vous le connaissez pas encore, quoi. Voilà. Mais voilà, j'ai des gens qui ont... j'ai une personne qui m'a attrapé le collier après avoir pris 9 points de dégâts. Du coup, bah, il s'est retransformé en forme humaine et il est mort. Voilà. Ils n'avaient pas forcément compris que le pendentif faisait ça. Ou il n'y pensait plus et du coup, voilà. Bon, en général, c'est Claudia qui morfle le plus parce que c'est la plus fragile, mais... c'est toujours une Allemande. Mais voilà. Enfin, du coup, point de vue offensif, elle est quand même largement supérieure à moi, parce que j'ai pu voir quoi. Bon, ouais, non, j'ai zéro en bagarre. Ouais, elle a un en force et zéro en bagarre. Hein. Donc elle a cramé les points de vie des machins. Ah, la façon dont il l'a joué, je croyais que c'était une grosse brute en fait. Ah, bah parce que je l'ai joué à l'allemande. Non, non, le perso le plus balèze en combat, c'est Red Dead. Hein. Même le guerrier, il est pas si fort en fait. Le combattant guerrier, je l'ai un peu boosté dernièrement, mais il est pas si balèze que ça parce qu'il est surtout bon en athlétisme et il était pas si bon que ça en bagarre. Bon, là, visiblement, je l'avais amélioré là. Mais, Lequel, le flic? Non, le Rubyman, le cinquième que je vous ai pas proposé. D'accord. Voilà, si on avait été 5, je l'aurais fait jouer, mais là, quand on est à 4 ou 3, je l'enlève parce qu'il est moins intéressant. Et. Ça offre un panel de jeux plus intéressant d'avoir les quatre autres, quoi. D'accord. Voilà, voilà, bah du coup, le scénario est terminé, donc vous avez joué à Loup-Garou en Irlande. Du coup, je vais arrêter les enregistrements, et puis au revoir aux spectateurs. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Captain.